worth it. Going in, yeah, I'm going all in. Getting food out, yeah, you can bring a friend. Dive right in, let's go. Come aboard and dip in your toes. Let the rhythm take control. It's going down tonight, yeah. Dive right in, let's go. Come aboard and dip in your toes. Let the rhythm take control. It's going down tonight, yeah. No goodbyes, new flows, new highs, through the dark clouds, see the blue skies, it will be aight, J-U-A, it's a new day, ride in the storm like a new wave, shake, 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 move it to the beat now, got the heat now, deep down, we know, we dive right in, let's go, come aboard and dip in your toes, let the rhythm take control, it's going down tonight, yeah, dive right in, let's go. Let the rhythm take control. It's going down tonight, yeah. Buried so deep in your excrete, knew it tat tat, that nigga hanji. I've been mute, mute, I've been discreet. I'm not a saram da ara, not in these streets. She could bug talk, she could bug talk, she could bug talk. Don't need she could on nail. She could bug talk, she could bug talk, she could bug talk. Wanna set up my nail. Come on, come on, come on, come on, hit you and gun. They coming, 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 coming for your ransom. Now I tell, call you lawyer. Well, maka, can't do nothing for ya. I said, come on, hit you and gun. They coming, 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 coming for your ransom. Now I tell, call you lawyer. Well, maka, can't do nothing for ya. Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사자 해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리. 4, 3, 2, 1.
Et salut tout le monde, bienvenue. Ça y est, c'est parti, on est ensemble sur la chaîne Tous Terrestres. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez, que tout fonctionne. salut Annick, salut Marina, salut Auré, salut David, salut Zipolette. C'est chouette, il y a déjà du monde ici, il y a des habitués de la chaîne, il y en a aussi peut-être qui sont là pour la première fois. Et bah, bienvenue à vous, bienvenue à toi Pat. Voilà, il y a Béatrice aussi, salut Adeline. bah écoutez, voilà, ça y est, on est parti pour une folle soirée ensemble autour de ce MOOC Botanique 2. Ça fait un petit moment qu'on en parle sur la chaîne. On va faire cette série en collab avec OAM que je vais accueillir dans quelques secondes. Et puis en partenariat avec les alvéoles aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'entre vous peut-être qui viennent aussi grâce au relais de com qui a été fait via la communauté des alvéoles. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai commencé à faire ces lives et ces animations bah, d'abord sur le campus avec les alvéoles et puis depuis dernièrement, depuis mi-mars, sur cette chaîne Twitch Tous Terrestres avec bah, voilà, comme objectif d'essayer de continuer à faire de la vulgarisation et puis aussi on commente l'actualité le mardi matin, on invite des personnes que j'espère sont inspirantes, en tout cas elles le sont pour moi, les vendredis soirs voilà, dans l'émission Team Régénération. Et puis les mercredis soirs, eh ben, on est sur Les Apprentis Terrestres, une émission qui est dédiée au fait d'apprendre ensemble, apprendre à essayer de ne plus à minima scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et bah, je suis content de vous retrouver. Pour tout vous avouer, je sors d'une grosse journée, puisqu'en ce moment, c'est le cours de conception en permaculture à la pépinière des alvéoles que je co-anime avec une partie de l'équipe des alvéoles. Et donc voilà, j'enchaîne avec cette grosse soirée avec vous parce qu'on a un gros programme qu'on va découvrir dans quelques secondes. Mais du coup, je suis super content de vous accueillir et de vous voilà, de vous retrouver ou de vous accueillir pour la première fois sur cette chaîne. Sans plus attendre, parce qu'on a un gros programme, et ben, je vais proposer à Oham de nous rejoindre. Voilà, salut à toi, Oham. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à apprendre plein de choses ensemble. J'ai vu quelques noms que je connaissais aussi dans le chat, des gens de ma commu. Bah C'est du ouais. plaisir de vous voir. Bon, c'est ça J'ai qui est peut-être. chouette avec cette collab. On a commencé peut-être avec OAM où tu vas te présenter parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne te connaissent Ouais. pas ce soir. Mais on a déjà fait pas mal de petites collabs et notamment autour déjà du MOOC pollinisateur qui était aussi, bah, aussi créé par Tella Botanica. Et on vient de passer déjà quelques soirées ensemble. Et puis bah, ça se passe bien, on prend du plaisir, enfin, en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à co-animer ces soirées avec toi. Donc merci d'avoir cette fois-ci accepté de venir comme invité sur la chaîne, on a échange de bons procédés. Bienvenue à toi, et puis bah ouais, n'hésite pas à dire peut-être un petit mot sur qui tu es, comme ça tout le monde te connaît un peu mieux. Oui, bah, il y a certains noms que je connais déjà qui sont passés, donc, comme tu disais, pendant le MOOC pollinisateur qu'on a fait tous les deux sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, moi j'ai une chaîne Twitch également où on parle notamment principalement de nature, d'écologie et d'environnement avec différentes émissions. Donc, on a notamment une émission le lundi où on parle surtout de oiseaux. Je suis en partenariat avec une formation aussi qui présente des choses sur les oiseaux. Et je parle aussi d'actualité, d'écologie, de nature, d'environnement une fois par semaine. Et on fait de temps en temps, donc c'était le cas pour le MOOC pollinisateur, des choses plus spécifiques sur différents domaines, si possible avec des invités, parce que moi je suis ornithologue de bac, donc je suis un peu plus spécialisé sur les oiseaux. Mais quand ça concerne d'autres domaines, je maîtrise aussi quelques bases, évidemment. Mais si j'ai quelqu'un qui est vraiment spécialiste qui peut venir m'épauler, c'est quand même plus sympa. Et l'idée de la chaîne, c'est d'apprendre ensemble. Donc, on fait souvent des quiz, on fait souvent des choses comme ça pour essayer d'évoluer progressivement ensemble là-dessus.
Donc voilà, principalement c'est là-dessus. De temps en temps, un petit peu de jeux vidéo, mais c'est très rare, justement pour montrer des choses qui se font en matière d'écologie et d'environnement aussi, parce que c'est vrai que ça permet de toucher plusieurs publics, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce milieu-là. Donc voilà, Yes. écologie nature, principalement. Yes, j'ai mis Oui, on boit de la un tisane en râlant, exactement, Poney. Poney qui est grande habituée de la chaîne, Modératrice de la modératrice chaîne. même de la chaîne. Et d'ailleurs, ça me permet du coup de saluer voilà, les modérateurs, les modératrices qui sont derrière nos chaînes. Merci à vous pour votre travail. Et voilà, c'est vraiment chouette. Et grâce à vous, voilà, ça améliore énormément le plaisir pour tout le monde. Et donc, merci à toi, Zen, notamment, qui est présente depuis le début de la chaîne Twitch et fidèle au poste. J'en ai profité pour te faire une petite commande invité dans le chat. Donc vous pouvez aller en cliquant découvrir la chaîne d'Oham, aussi le suivre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Merci. Voilà, comme ça c'est l'occasion Oui, j'ai pas refait mon parcours, mais c'est un peu expliqué dans la petite commande. Voilà, et n'hésitez pas aussi à utiliser le chat comme Lilou le Manchot qui vient d'arriver. Et salut à toi, Bienvenue, Lilou. Parpin, Lilou, bonsoir. avec qui je vais faire un live jeudi. Yes, trop bien. Et Parpin qui est papa pour la deuxième fois Oh, bah depuis peu de félicitations. temps. Ça s'est passé pendant le live, il faudra que tu nous racontes ça, mais pendant le live de mardi dernier. Donc Incroyable. voilà, c'était assez incroyable. Merci de nous avoir partagé ce moment important de ta vie, pardon. Voilà, donc c'est aussi ça voilà, que moi j'apprécie en tout cas dans ce qu'on vit ici sur Twitch. Et ben voilà, je pense qu'on peut commencer peut-être tout doucement à se tourner vers un peu le programme de cette soirée, de ces soirées, puisqu'on va peut-être présenter un petit peu le MOOC d'une manière générale, histoire de permettre à tout le monde de pouvoir savoir un peu mieux de quoi on va parler, comment ça va se passer. Peut-être déjà la première chose moi que j'avais envie de souligner, puis avec quoi voilà, tu peux compléter, n'hésite pas, mais c'est que en fait ce MOOC il a été donc conçu par l'association Tela Botanica avec différents partenaires, et qu'il est entièrement gratuit et libre. Donc vous pouvez tout à fait vous inscrire, on va vous partager le lien. Et on vous invite même d'ailleurs à le faire, hein, à le suivre de votre côté, parce qu'il y a beaucoup de contenu au-delà des contenus que nous on pourra partager pendant ces 5 soirées que vous pourrez trouver. On va en partager une partie, on va essayer de vous donner l'envie d'aller vers les modules d'approfondissement, d'aller vers les contenus, les liens qui sont partagés. Et puis aussi, tout simplement, vous pouvez remplir les quiz de votre côté, même si nous on va faire le quiz ensemble et qu'on va avoir voilà, la joie de Oui. pouvoir décider de. Si on voilà pour quelle réponse on décide de voter collectivement. Il y a De énormément de faire les contenu. activités aussi Ouais, de votre ouais. côté, évidemment. Voilà, donc super travail. On remercie vraiment Tela Botanica. Ça fait un petit moment moi que je suis. J'avais déjà regardé le MOOC botanique, le premier du nom. Et puis Ouais, pareil. là, ouais, et c'était déjà de super super quali. Et puis d'une manière générale, tout le travail qui est fait autour de l'encyclopédie et tout ça, c'est vraiment un travail de très Ouais, grande c'était du sacré qualité. boulot. Donc voilà, merci à eux et à elles. Et puis du coup, l'idée de regarder ensemble, c'est de se donner de l'élan, de se donner du courage, parce que en fait, suivre des MOOC, on a toujours des belles intentions au moment où on apprend qu'un MOOC va sortir et qu'il va y avoir des contenus accessibles et tout ça. Et puis une fois qu'on y est, voilà, on a mille autres choses à faire. On se dit que les contenus, on pourra toujours y accéder la semaine suivante, puis la semaine d'après, puis au bout d'un moment, on a accumulé du Ouais. retard. On Et connaît. voilà. Et donc là, on prend le temps, on le fait ensemble, on se cale des dates, on les pose dans l'agenda, c'est les mercredis soirs, et on le regarde ensemble, et puis ça donne aussi un côté convivial et interactif. Donc voilà. Et bonsoir Combs, bienvenue sur le live. Il y a Auré qui nous précise dans le live, dans le chat, et merci à toi, que concernant le MOOC Botanique 1, il existe un PDF qui a été réalisé par Tela Botanica et qui reprend tout le contenu et les vidéos, les quiz et les réponses. Si je me trompe pas, sur leur chaîne YouTube, ils ont mis toutes les vidéos aussi.
Voilà. Vérifier, mais je crois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ne serait-ce que déjà pour pouvoir télécharger ce PDF et accéder à ces contenus si vous n'aviez pas suivi le premier MOOC. Pas de panique, si vous l'avez pas suivi, ils ont vraiment conçu le deuxième qui est à la fois une suite mais qui ne nécessite pas d'avoir suivi le premier. Il est Oui. costaud, on peut le dire, on peut l'annoncer, il est assez costaud, il est assez dense. Oui, pour les personnes qui ont suivi le MOOC pollinisateur, les questions vont être plus corsées, je vous préviens. Yes, bonsoir Sil06, bienvenue. Mais c'est pas plus mal, hein. Mais c'est bien, c'est très bien, et c'est vrai que pour le MOOC pollinisateur, on avait déjà pu apprécier la qualité du aussi bien dans le fond que sur la forme du travail qui avait été fait, travail de collecte d'infos et de partage d'infos qui a été fait, et avec des intervenants assez illustres. On va prendre peut-être un tout petit moment pour aller voir un petit peu comment il est organisé. Oui, de toute façon, je pense que dans la partie introduction, ils reviennent sur le programme, je crois. Du coup, donc on peut aller direct dans l'introduction, à mon avis. Ouais, sur le voilà, je vais vous partager un petit peu l'écran. Donc là, je suis sur la plateforme du MOOC Tela Botanica. Donc quand vous avez créé votre compte, etc., vous accédez à ce MOOC botanique. Et là, du coup, vous avez un espace d'accueil avec le calendrier, un petit peu le programme. Je passe très rapidement, hein, le teaser, si vous ne l'avez pas vu, qui est assez chouette. Et puis donc voilà déjà les experts, les personnes, les intervenants du MOOC. Donc on reprendra à Il y a chaque du monde. fois. Il y a du monde, il y a du beau monde. Et ça, c'est chouette. Ça fait vraiment plaisir d'avoir accès au savoir et à l'énergie aussi. Moi, ce qui m'avait frappé dans le MOOC pollinisateur, c'est aussi la qualité de. On sent la passion, quoi, et l'envie de partage des personnes qui sont dans le MOOC. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on oublie de dire peut-être en intro? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, Oham? Je réfléchis. Évidemment, n'hésitez pas si vous voulez le faire de votre côté, on l'a déjà dit, mais vous vous inscrire, c'est gratuit, on l'a pas dit. C'est Oui, important quand si, même. ouais. C'est gratuit si vous voulez vous inscrire. Et puis, vous avez des forums, de toute façon, ils vont être répétés un peu au cours des cours. Vous avez des forums, vous avez beaucoup de monde qui peut vous aider si vous avez des questions supplémentaires. Il y a des animateurs directement qui sont présents, qui peuvent répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin ou partager des choses même. C'est pas forcément des choses de cours, hein, ça peut être des choses liées à la nature et autres. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à rejoindre les forums. C'est vraiment pas mal. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ben, ce que je vous propose, c'est Je vais vous qu'on. mettre le lien, évidemment le lien, hop. mais on peut le refaire, ouais. On peut remettre le lien. Ouais. Il y a Zen qui réclame dans le Bah, si tu peux chat. l'épingler en haut, N'hésitez peut-être. pas à utiliser, à user et abuser du chat, hein. C'est vraiment l'espace d'interaction. Nous, évidemment, on déroule, on essaie de faire avancer le schmilblick, et à certains moments où on va peut-être pas toujours rebondir sur ce que vous racontez ou sur les échanges, les partages ou les questions que vous avez. Mais n'hésitez pas à le faire déjà entre vous, et puis au maximum, nous, on lit évidemment ce que vous publiez. Et Ouais, puis puis voilà, et puis à certains moments, on fait les pauses et on essaie de garder le rythme pour pas finir trop tard. Mais en même temps, voilà, c'est là où ça se passe aussi, quoi. Ça devient fun. Top, top, bah c'est écoute. parti. Et ben, on va passer directement sur la vidéo d'intro. Voilà, on va regarder ça ensemble. Ça sera aussi l'occasion de vérifier que techniquement tout fonctionne et que vous entendez bien chez vous. Attends, hop, faut que je règle mon truc, moi. Ça va? Tu me C'est dis bon, quand c'est bon c'est bon, pour c'est toi. bon. Trop bien. Je vais baisser le son, je pense. Et faut pas hésiter à mettre les sous-titres. Je sais pas s'il y en a pour l'intro, mais les sous-titres, s'il Non, y il en n'y en a avait pas pour qui l'intro, je en ont crois. besoin. Je regarde, mais non, il n'y en a pas. Alright, c'est parti. Ok. En 2016, Tela Botanica diffusait pour la première fois le premier MOOC botanique pour s'initier à la reconnaissance des plantes. Nous y
avons mis toute notre énergie. Nous avons d'abord développé une plateforme de formation en ligne pour l'accueillir. 17 botanistes se sont mobilisés pour partager leur savoir et construire cette formation avec nous. Et une équipe de 17 animateurs, en grande partie bénévoles, ont donné vie à cette formation avec leur présence sur les forums, mais également en rythmant les apprentissages des participants à cette formation. Ce MOOC a été un énorme succès. À ce jour, il a été diffusé 3 fois et ça a chaque fois été une aventure extraordinaire pour les participants de la formation. Plus de 86 000 personnes se sont inscrites à cette formation en 2016, 2018 et 2020. Ce MOOC a donné naissance à une communauté de botanistes en herbe, prêts à se mobiliser pour l'observation de la flore et pour sa préservation. Bon nombre d'entre eux ont rejoint la communauté Tela Botanica, la communauté des botanistes francophones, pour y travailler avec nous. En 2022, c'est plus de 130 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme pour être informées des formations à venir et les suivre. Le nombre d'inscrits ne cesse d'augmenter sur la plateforme Telaformation. Les formations proposées traitent de botanique, de biodiversité, mais également de changement climatique. Tous des sujets totalement liés et importants de nos jours. Les MOOCers se sont exprimés et ils veulent un autre MOOC sur la botanique. N'hésitez pas à nous dire ceux qui ont suivi le premier MOOC d'ailleurs dans le chat. De découvrir les usages des plantes et de continuer à pratiquer la botanique. Est-ce que vous en avez pensé ? Nous avons déployé nos forces collectivement pour trouver des moyens et créer le MOOC Botanique 2, les plantes et leurs usages. Un MOOC est une formation en ligne, gratuite et ouverte à tous, qui permet de mixer des initiés, mais également des experts pédagogues sur le sujet, afin de vous offrir les connaissances, les dernières connaissances sur ce sujet, mais également les plus pertinentes. La particularité d'un MOOC, c'est que c'est un événement. Le MOOC Botanique 2 sera diffusé sur 7 semaines et semaine après semaine, une nouvelle séquence de cours ouvrira. 2 semaines vous seront données en fin de diffusion pour revenir sur vos apprentissages ou tout simplement rattraper votre retard. Nous n'avons pas tous le même style de vie et nous n'avons pas tous le même temps libre. Un MOOC, c'est un temps d'apprentissage, mais c'est aussi une magnifique occasion pour échanger avec une communauté sur un objet qui nous est commun, pour échanger, réaliser des activités pratiques ensemble ou tout simplement avoir les dernières nouvelles de la botanique. Dans ce MOOC, vous découvrirez de grandes familles botaniques et des clés pour les identifier à travers des usages anciens et actuels des plantes. Les usages sont nombreux, alimentaires, cosmétiques, médicinaux et aussi textiles par exemple. Le MOOC calme les enfants, apparemment. De 5 séquences de cours, chacune portant le nom d'un usage. La première séquence abordera les usages pour se nourrir. Nous verrons en 2e séquence les usages pour se soigner. En 3e séquence, ce sera le tour des usages pour se loger et s'outiller. Ensuite, nous verrons les usages pour se vêtir. Ou alors, il est et nous finirons par l'usage créer du lien. Dans ce dernier usage, créer du lien, nous découvrirons les plantes qui contribuent à notre bien-être et qui ont également un rôle dans notre culture. Dans chaque séquence, 4 sujets seront abordés. Les usages des plantes à travers le temps, la description morphologique de certaines espèces et leurs usages, les familles botaniques associées à ces espèces, et enfin, pour le dernier sujet, un voyage à travers les pays francophones pour y découvrir d'autres espèces et d'autres habitudes sociétales. Chaque vidéo sera accompagnée de ressources complémentaires telles que des podcasts, d'autres vidéos ou des schémas, documents. Vous serez également invité à réaliser plusieurs activités pratiques sur le terrain que vous pourrez faire chez vous ou en extérieur. Si vous en avez la possibilité, allez sur le terrain. Rien de mieux pour pratiquer la botanique que d'aller observer in vivo. Pour cela, vos meilleurs amis seront votre carnet de terrain, votre flore et également votre petite loupe. Des jeux et des quiz vous seront également proposés. En effet, vous pourrez évaluer vos connaissances vous-même et gagner des badges à chaque fin de séquence selon la réussite de vos quiz. Une attestation de suivi sera également possible d'être obtenue à la fin de la formation. Ce MOOC ne vous demande pas de prérequis. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir suivi le MOOC Botanique 1 pour vous lancer. En effet, ce nouveau MOOC prévoit de vous apporter de manière facultative les bases qui ont été abordées dans le premier MOOC. Si vous avez déjà fait le MOOC Botanique 1, c'est super. Et sinon, allez faire un tour dans l'onglet Révision du MOOC Botanique 2. Ce MOOC n'a pas l'objectif d'être exhaustif.
Il va aborder 5 grands usages et 17 familles qui ont été pensées et listées avec le comité pédagogique de la formation. La liste des espèces, quant à elle, a été élaborée en fonction justement des usages d'intérêt, mais également des familles à découvrir. Vous découvrirez des espèces très communément utilisées pour ces 5 usages, telles que le riz ou encore le coton. Mais nous avons également prévu de vous présenter des espèces un peu moins connues, mais représentatives des familles abordées. C'est une liste de plus de 70 espèces de plantes qui n'aura plus de secret pour vous. Pas mal quand même. Ce MOOC n'est pas un MOOC qui vise à vous conseiller sur quelles plantes utiliser pour s'alimenter ou quelles plantes utiliser pour se soigner. C'est un MOOC surtout pour vous présenter les usages courants de certaines plantes dans notre société. Alors faites fleurir vos claviers pour continuer à découvrir le merveilleux monde des plantes en communauté. Bienvenue dans l'aventure du MOOC Botanique 2. Voilà, petite intro. Super. Petite précision pour les histoires de badges là qui sont nommées dans la vidéo. Pour les histoires de badges, évidemment ça fonctionne seulement si vous vous inscrivez par ailleurs, si vous contentez de nous suivre, ce qui est super déjà, hein, mais de suivre les soirées de visionnage collectif des mercredis soirs avec nous, bah en fait voilà, nous on aura le badge et pas vous. Samuel aura le badge. Bah, Samuel, moi, faut aura que je le fasse badge de mon côté aussi. Salut Céline. Oh, je l'ai ouvert en même temps. Salut. Vous avez rien raté, on a regardé la vidéo d'intro, bienvenue à vous. Regardé juste l'intro et on est après, en train... Je crois qu'il y a une deuxième vidéo, mais je sais plus ce que c'est. Je pense que c'est pour présenter les intervenants, celle d'en dessous. On va regarder. On va regarder ça. Allez, on continue. Ça dure pas très longtemps. On continue l'intro. C'est parti. Wow. Ouais, ça dure 4 minutes. Yes. Utilitaire ou esthétique, les plantes nous accompagnent à chaque instant de notre vie, chaque jour, dans toutes les sociétés humaines. À l'aube de l'humanité, elles ont d'abord été source de nourriture, de médicaments. Petit à petit, les usages se sont diversifiés. On en a tiré des matériaux pour se protéger du froid, de la chaleur, des substances pour se soigner, se parfumer. On les a mises au service de rituels, religieux ou non, mises en scène pour en faire des jardins ou des ornements. Aujourd'hui encore, vous dormez peut-être dans un lit en bois avec des draps de coton. Café, thé, chocolat, pain, céréales, confitures sont sur la table du petit déjeuner et légumes et fruits sont au menu de la plupart des repas. Et de la plante verte en pot au jardin, en passant par le balcon fleuri, tout atteste du plaisir qu'on éprouve à s'entourer de verdure et de floraison. Bref, les plantes ont façonné nos vies et nous avons voulu vous donner un aperçu de leur diversité en mettant en avant leurs principaux usages. Vous voyez, il y en a partout des plantes, on les utilise pour plein de choses. Plantes utiles est une locution consacrée. Elle désigne en fait toute plante pour lesquelles un usage est documenté. Il n'y a en fait pas de plantes inutiles, seulement des plantes dont on ne connaît pas les usages. On a tendance à restreindre l'utilité à celle pour l'espèce humaine, ce qui a été privilégié dans le cadre de ce MOOC, mais l'utilité peut également être pour des animaux ou pour d'autres plantes. Côté humain, on pense généralement aux usages alimentaires ou médicinaux, mais il y en a beaucoup d'autres. Parmi ces plantes utiles, certaines ont été domestiquées ou sont cultivées à grande échelle. D'autres ont été favorisés dans leur milieu naturel au point de le modifier considérablement. Vous n'apprendrez pas à apprendre à utiliser la plante X ou Y dans ce MOOC, mais nous aborderons un ensemble d'usages et vous présenterons des familles et certaines espèces comme exemple pour ces usages. Dans ce MOOC, nous avons classé les usages en 5 grands groupes. Se nourrir nous parlera des plantes alimentaires dont on utilise des parties, quelques organes que ce soit, feuilles, racines ou autres, pour notre alimentation. Se soigner envisage les plantes médicinales et toutes celles qui pourraient avoir des usages apparentés. Se loger et s'outiller est consacré aux plantes qui nous servent à construire nos habitations, nos meubles et à fabriquer des outils.
Ce vêtir est dédié aux plantes qui nous servent à nous habiller, mais également à teinter en fait nos vêtements. Enfin, créer du lien abordera les plantes qui contribuent à notre bien-être et qui jouent un rôle dans nos religions, dans nos cultures, de l'ensemble des civilisations humaines. On pourrait aussi parler des plantes mellifères, des auxiliaires de culture, des plantes industrielles, toute une série d'autres végétaux. Nous avons fait le choix, en fait, de restreindre à ces 5 usages. Mais les usages actuels ne cessent de se diversifier. Dans une société qui exprime un besoin de nature de plus en plus marqué, nous espérons que ce MOOC vous ouvrira des portes vers un ensemble d'usages insoupçonnés ou oubliés de ces plantes. Ça donne envie, hein, ce qu'on a vu là. On va essayer de voir ce qu'on va découvrir ensemble. Évidemment, il a parlé des plantes mellifères, mais les personnes qui étaient, qui étaient avec nous, qui m'ont suivi sur ma chaîne, évidemment, le MOOC pollinisateur, on a déjà abordé ça. D'ailleurs, Oham, c'est un peu la suite. Est-ce qu'il ne pourrait pas retrouver quelque part les replays de, de ce MOOC pollinisateur? Ah, attendez. Question tout à fait innocente. Tout à fait innocente, évidemment. Alors, vous avez les replays sur ma chaîne YouTube. Voilà. Si vous voulez, alors, est-ce que je peux faire un lien direct sur ma playlist? Ah oui, incroyable. Yes. Vous pouvez retrouver les replays de toute cette soirée. Donc, il y a 6, je crois. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 6 vidéos. Si vous voulez rattraper ça, on a fait sur les 2 derniers mois à peu près, je pense. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez voir ça. Et puis, y avait différents sujets qui étaient abordés à chaque fois. On a un petit peu regardé d'abord comment fonctionnaient ces plantes. Et puis ensuite, on a regardé 4 groupes d'insectes différents. Et puis on a vu plein de choses très très cool ensemble. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Yes. Trop bien. Et ben du coup on va tranquillement commencer à explorer la première séquence du coup, qui est la séquence qui est au programme de ce soir. Sachant que là on est un peu en décalé puisque si vous allez sur le MOOC, si vous inscrivez, en fait le MOOC a commencé officiellement mercredi dernier et donc là vient d'être publié aujourd'hui la deuxième séquence déjà. Donc nous on aura toujours, en tout cas pour ces soirées ensemble sur Twitch, on aura toujours une séquence de retard, on sera pile poil le jour de la publication de la séquence suivante. Bienvenue à la séquence 1. Dans cette première séquence, vous allez découvrir des familles de plantes et des espèces dont les organes nous servent d'aliments, de boissons ou de condiments. Elle se divise en 4 sujets. Le premier est consacré aux usages, pour objectif de retracer l'omniprésence des plantes dans notre alimentation à travers la chaîne alimentaire et à travers l'histoire. Le deuxième sujet 2 sera consacré à 3 espèces très présentes dans notre alimentation. Le troisième sujet présentera les caractéristiques de 3 familles, les Fabacées, les Poacées et les Apiacées. Et enfin 4, vous voyagerez ensuite au Liban pour y découvrir la flore et les usages locaux. Voici donc notre programme de ce soir avec différents intervenants. Là on a juste leurs photos, pas encore leur nom. Et go, c'est parti pour la première vidéo sur les usages. Hop. Voilà, je vous propose que on démarre. Ça va au niveau du son en tout cas, c'est tout bon pour vous? Ouais, n'hésitez pas à dire pour le son, pour la taille du texte aussi, choses comme ça. Dans cette vidéo, nous allons décrire succinctement l'omniprésence pas à mettre les sous-titres dans notre alimentation activé, à travers l'histoire et à travers la... Alors, on va essayer de mettre les sous-titres. Hop. On. Est-ce que je peux mettre on? Ah, c'est en anglais. Ah, il n'y a que le sous-titre anglais. Je crois. Attends, customize. Et tu les as sinon, toi, sur... Attends, j'essaye. Dans cette vidéo, nous allons décrire... Ils vont peut-être... Je les ai que en anglais. C'est que en anglais. Ils vont peut-être les mettre en français. Sous-titre. Ouais, c'est soit inactif, soit en anglais. Ouais. Donc, ils n'ont pas encore fait, je pense. Vous les voulez en anglais ou du coup je mets pas de sous-titres? Comment vous préférez? L'application Twitch, c'est dans le thème, elle plante. Aïe. Bon allez, je vais mettre off du coup. No, dit Alex. Yes, allez, c'est mieux que rien. Bon, il y en a qui disent c'est mieux que rien. Ok, et ben alors ça sera en anglais dans le texte. C'est reparti.
maintenant l'omniprésence des plantes dans notre alimentation, à travers l'histoire et à travers la chaîne alimentaire. Pour cela, nous allons répondre aux questions suivantes. Est-ce que tous mangent dans une plante? Est-ce que toutes les plantes se mangent? Comment nous avons diversifié notre régime alimentaire? Et quelles sont les principales familles que nous consommons? J'arrive pas. La quasi-intégralité de notre régime alimentaire dérive du végétal. Alors directement à travers nos fruits, nos légumes et nos céréales et tous les produits transformés qui en découlent, mais aussi indirectement à travers la viande que nous mangeons, puisque nous mangeons essentiellement des herbivores. C'est donc naturellement que les plantes se placent à la base d'une chaîne alimentaire comme producteurs primaires. Grâce à la photosynthèse, les plantes sont capables de produire du sucre à partir d'eau, de dioxyde de carbone, de CO2, et du soleil, ce que nous, les animaux, nous ne sommes pas capables de faire. Est-ce que tout se mange dans les plantes? Eh bien, regardons dans nos assiettes. Bon appétit à celles et ceux qui mangent d'ailleurs. Nos repas sont de vrais exercices de botanique. On mange des feuilles, voilà, feuilles de laitue. On mange des tiges de canne à sucre, il n'y en a pas dans cette assiette-là. Des bourgeons de tiges d'asperge. Des rhizomes de pommes de terre. On en a un morceau ici. Des racines tubérisées avec la patate douce, des bulbes d'oignons, on peut avoir des inflorescences avec les artichauts, des infrutescences avec les figues, des fleurs de courgettes, des fruits de prunier, des graines de tournesol ou encore du pollen pour constituer ou pour participer à la production du miel. Bref, on peut retrouver tous les organes des végétaux sur nos tables et dans nos assiettes. Sauf que dans ce cas-là, on a certaines familles qui sont beaucoup plus représentées que d'autres. Par exemple, ici, de la carotte, donc une racine tubérisée, mais aussi de la feuille de fenouil, de la feuille de coriandre. On pourrait avoir des feuilles de persil, des graines de cumin, autant de plantes et parties de plantes différentes, sauf qu'elles appartiennent, dans ce cas-là, ces trois-là, au moins, à la famille des apiacées ou des ombellifères. Dans la même gamelle, les lentilles... Ombellifères, c'est l'ancien nom. Et le tofu proviennent toutes les deux de fabacées. Et on a... On appelait avant les légumineuses. Une solanacée avec notre pomme de terre, une amarantacée ici avec la betterave. On peut même trouver une lamiacée sous la forme du romarin. Donc, une diversité de familles et certaines qui vont être beaucoup plus prédominantes dans notre alimentation. Ne vous inquiétez pas, hein, tout ça, ça sera remis dans des fiches après. Il y a beaucoup d'infos là, mais ne vous inquiétez pas. Ça va là. C'est... Parmi plus de 350 000 espèces de plantes à fleurs, quelques milliers sont utilisées en fait par l'homme, quelques centaines sont largement produites et commercialisées, et à peine une dizaine constituent la très grande majorité de l'alimentation. Et oui, dans les faits, assez peu d'espèces sont vraiment consommées par l'être humain, soit qu'elles soient rares, peu fréquentes, mais beaucoup de ces espèces végétales sont soit toxiques, dangereuses, voire sans intérêt gustatif. La toxicité des plantes est un phénomène très variable. Tout le monde mange des frites sans se poser de soucis, mais n'essayez pas de consommer des pommes de terre qui auraient verdi car trop à proximité de la surface du sol. Elles comprennent un composé vert, la solanine, qui pose de gros soucis si vous l'avez ingéré. C'est un composé toxique synthétisé par la plante pour éviter qu'elle soit consommée par les herbivores ou les omnivores comme l'homme. La sélection a conduit chez les plantes cultivées à obtenir des variétés qui sont en général détoxifiées. Par contre, lorsqu'on doit aborder la consommation de plantes sauvages, c'est non pas à ses risques et périls, mais cela nécessite en fait énormément de précautions et des conseils avisés. À ses risques et périls, oui. Évidemment, faites attention quand vous cueillez. Durant le paléolithique, l'homme se nourrit comme chasseur-cueilleur et les plantes représentent en moyenne un tiers de son alimentation, bien que ce ratio peut être très variable selon les latitudes. À cette époque, les humains mangent déjà une variété d'espèces, mais c'est des espèces très différentes de celles que nous consommons aujourd'hui. Par exemple, les graminées, les céréales représentent très peu dans l'alimentation de l'homme chasseur-cueilleur. Le caractère nomade du chasseur-cueilleur lui permet aussi de se déplacer lorsque les ressources sont limitées.
ou de se déplacer selon les saisons ou selon les migrations des animaux qu'ils consomment. Une étape clé de l'alimentation du chasseur-cueilleur, c'est la maîtrise du feu et de la cuisson des aliments, puisque grâce à cette cuisson, il va pouvoir consommer des tubercules qui, crus, auraient été indigestes ou détoxifier certains aliments. Non, les champignons, c'est un groupe à part. Environ 9000 ans, je réponds à Zipolette. Les premiers jardiniers vont donner naissance à l'agriculture. L'homme va cultiver certaines espèces et à chaque récolte, il va sélectionner les individus les plus productifs, les plus consommables ou les plus pratiques à récolter. Cette sélection humaine des espèces agit comme un processus évolutif et les espèces s'adaptent peu à peu à nos pratiques. C'est ce qu'on appelle la domestication. Cette domestication, elle a pu avoir lieu à différents endroits sur la planète pour des espèces différentes ou parfois même pour une même espèce. C'est le cas notamment du haricot en Amérique centrale versus Amérique du Sud ou encore du riz en Asie et en Afrique. Cette domestication, elle transforme les espèces et ainsi, leurs fruits sont généralement plus gros, ils se dispersent moins bien, mais leur consommation est aussi plus digeste. La survie même de ces espèces devient dépendante de l'espèce humaine. Et ces espèces, on les retrouve assez rarement hors des champs. On peut voir d'ailleurs la domestication comme un processus de coévolution, puisqu'actuellement ces espèces dépendent de nos pratiques, mais notre alimentation mondiale dépend aussi de ces espèces. Nous nous sommes même adaptés à la consommation de ces espèces, puisqu'il a été démontré que nous sommes mieux armés génétiquement que nos ancêtres pour digérer l'amidon. Et il en va de même de nos animaux de compagnie par rapport à leurs congénères. Donc je crois qu'ils reviennent après un peu dessus sur certains végétaux, comment ils ont été domestiqués en image. Enfin, à partir de l'époque moderne et de l'exploration du globe, l'alimentation humaine s'est considérablement enrichie en espèces. Les solanacées comme la tomate, la patate, les poivrons, les piments n'étaient pas présentes dans la cuisine du Moyen-Âge en Europe. Il est pourtant maintenant difficile d'imaginer des plats sans ces espèces exotiques qui sont maintenant profondément ancrées dans notre culture alimentaire. Sur nos milliers d'espèces en fait utilisées, les quelques centaines qui vont être commercialisées et la petite dizaine qui constitue l'essentiel de l'alimentation, au final, on se rend compte que cette petite dizaine de plantes est souvent constituée de plantes qui produisent des graines, des grains, en particulier les céréales. Ces grains ont la particularité de pouvoir être conservés d'une année sur l'autre du fait de leur type de réserve, qui sont des amidons. Parmi ces grains, les céréales qui appartiennent à la famille des poacées, également nommées graminées, sont très majoritaires et largement dominantes. Elles représentent plus de la moitié de la consommation mondiale. Parmi ces céréales, nous pouvons citer le blé, l'orge, le millet, le seigle, l'avoine. Elles seront détaillées dans une autre vidéo sur la famille des poacées. Mais on ne doit pas oublier que certaines céréales ne sont pas des poacées, n'appartiennent pas aux graminées. On peut en particulier évoquer le quinoa, le sarrasin et quelques autres. Quel est le point commun entre la paella, le chili con carne, le couscous ou les nouilles chinoises? Au-delà de leur diversité, ces quatre plats comprennent en général à la fois une céréale, donc que ce soit du blé, du riz ou des plantes apparentées, mais également une légumineuse. On aura ainsi des haricots, exemple les haricots rouges, on doit avoir faim dans le chat. On peut avoir du soja, c'est une torture. On peut avoir des petits pois, etc., etc. Et c'est cette seconde famille qui fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard dans la séquence. Okay. Cette association entre céréales, donc des poacées, et légumineuses est complémentaire en termes d'apport nutritif, à la fois pour l'homme, mais on verra aussi pour les animaux. Dans cette association, les céréales apportent des glucides et les légumineuses des protéines. Dans cette vidéo, nous avons point vu important que les plantes pour le quiz, retenez bien, régime alimentaire directement ou indirectement à travers la chaîne trophique. Nous avons aussi vu que nous ne consommons qu'une faible quantité d'espèces de plantes, mais que toutes les parties d'une plante peuvent se retrouver dans notre assiette. Nous avons aussi retracé l'évolution de notre régime alimentaire à travers la cuisson des aliments, la domestication et la diversification de notre régime par l'exploration du globe. Enfin, nous avons vu que les graminées à travers les céréales et les légumineuses représentent une grande quantité de notre alimentation. Ok. Wow.
Waouh. Waouh. Pas mal d'infos déjà. Si ça vous a ouvert l'appétit, je pense. Aussi, pas mal de gens. N'hésitez pas s'il y a des remarques, des questions déjà, des choses sur lesquelles vous avez envie de, oui, bien sûr, de réagir. Là, dans le chat, il y avait notamment Parpin qui disait c'est des légumineuses, ça, la quinoa et le sarrasin. Il me semble pas. Je crois pas que la quinoa. Je connais pas bien la quinoa. Je l'ai pas vraiment étudié. Alors, sachant qu'en plus, pour les personnes qui connaissent un petit peu la systématique. C'est vrai que les noms, les classifications changent fréquemment. Là, il y a pas mal de noms, notamment les graminées, maintenant, on les appelle poacées, par exemple. Ouais. Vas-y. C'est de la botanique, hein. Je réagis à Gigilo qui dit « J'ai zéro mémoire pour les noms scientifiques et les familles. » En botanique, la base, c'est les noms scientifiques et les familles. Donc, je crois qu'on ne pourra pas vraiment... Oui, en botanique, c'est vrai que... Ouais, c'est ça, Xipolette. Il me semble que la quinoa, c'est la même famille que les betteraves. Je pense que ce sont des... alors dans ce cas-là, c'est pas amarantacée. C'est la famille des amarantacées, effectivement. J'ai revérifié. Ah, t'as revérifié, ok, ouais. Donc, ouais. Coup, ouais. Et c'est une chénopode. Les gens qui connaissent un petit peu cette famille-là, ça se voit notamment. Je sais pas si tu peux. Chénopode, chénopodiacée. Tu peux me montrer une photo peut-être de quinoa, quand ça ressemble. De quinoa. Quand c'est. Sur Wikipédia, il y a une photo qui est pas mal. Ok. Ou quand on la voit quand elle est en fleur ou en fruit, là, en fleur, j'ai l'impression. Vous allez voir, ça ressemble à des plantes qu'on peut trouver de type chénopode. Et oui, nous, on voit souvent juste ce qu'on mange, en fait. Mais c'est vrai que ça n'a pas forcément l'aspect... Enfin, la plante en elle-même, on ne pense pas que ça a cet aspect, quoi. Donc ouais, ça, c'est une plante de quinoa. Je pense que vous reconnaissez, il y a d'autres plantes aussi qu'on peut croiser dans la prairie qui ressemblent un peu à ça, dans cette famille-là. Mmh. Ouais, ça fait plein de... Ça fait des... plein de petites graines. Ah oui, très bon, la chénopode. En fait, la chénopode, déjà, c'est une plante spontanée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de jardins, parce que c'est une plante qui est un peu pionnière, elle a tendance à se plaire dans les milieux un peu dégradés. Donc dès que vous bougez un peu de la terre, que vous remuez parce que vous passez un coup de grelinette ou un truc machin, vous risquez d'avoir beaucoup de chénopodes qui poussent spontanément, notamment le chénopode blanc qui est souvent le plus répandu, qui n'est pas forcément le plus goûteux. Et c'est pour ça qu'il y a certains jardiniers qui cultivent le chénopode Bon Henri, qui est une variété un peu plus, qui est jugée un peu plus goûteuse. Et pareil pour les amarantes, les amarantes c'est une famille, il y en a plein, et c'est pareil, c'est une plante qui arrive de façon souvent très spontanée dans les jardins, donc si ça se trouve vous avez déjà des plants d'amarantes qui poussent dans vos... J'ai un petit chat qui revient. Enfin, je suis en train de me dire que ta caméra est peut-être un peu haute, on te voit à moitié, je ne sais pas si tu peux la descendre un peu. Je vais essayer de faire ça, ouais. Yes. Tu vas disparaître pendant le stream. C'est le poids des années qui se fait sentir. Ah ouais. Mais oui, vous connaissez, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui effectivement connaissent un petit peu ces plantes, qu'on peut croiser quand même relativement facilement. Yes. Du coup, je ne sais pas si tu reviens sur la page du MOOC, ils ont remis un petit truc, élément essentiel à retenir en dessous de la vidéo. Yes, on peut regarder ça. Et je pense qu'après, il doit y avoir les ressources supplémentaires. C'est ce qu'ils ont mis en fait un peu en bilan de la vidéo, je pense. Les plantes constituent l'essentiel de notre régime alimentaire, directement ou indirectement à travers la chaîne trophique. Nous ne consommons qu'une faible quantité d'espèces de plantes, cependant toutes les parties d'une plante peuvent se retrouver dans notre assiette. Enfin, les graminées, poacées à travers les céréales et les légumineuses fabacées représentent une grande partie de notre alimentation. Et effectivement, ensuite, il propose des ressources complémentaires, notamment un magnifique schéma d'organisation générale d'une plante à fleurs. Je vais vous coller. Ouais, pour revenir vite fait dessus, peut-être, si des gens ne maîtrisent pas trop, forcément. Il y en a qui ont dû faire... normalement, tu peux l'ouvrir à part. Je l'avais ouvert à part, moi. Ouais, je vous ai mis le lien. J'espère que ça fonctionne pour vous. C'est pas sûr, mais... Oui, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont mis dans le chat, évidemment. On retrouve un peu les bases pour comprendre les plantes à fleurs, avec un peu les bases de la botanique, quoi, pour comprendre,
comprendre si vous n'aviez pas suivi le premier MOOC. Voilà, et il y a d'autres documents, les organes spécialisés dans le stockage des réserves. Ah, je sais ce que ça fait, ça. Ah oui, si, c'est pas mal. Ça va t'ouvrir un PDF. Ouais, je peux vous montrer. Enfin, je vais le mettre dans le chat, le lien. Ouais, ok. Alors, vas-y, j'ouvre le... j'ouvre le PDF. Ouais, faut peut-être qu'on me montre. Du coup, c'est plus là sur les organes spécialisés, type bulbe, tubercule, etc. Les tiges souterraines, notamment. Et donc, on va voir qu'effectivement, on a notamment l'oignon, ail, etc., qui sont assez connus pour ça, qui vont former différentes couches de feuilles qui vont être consommées, par exemple. Et puis après, on a d'autres choses, hein, comme les tiges souterraines ou les tubercules. Bah, les tubercules, vous connaissez évidemment la pomme de terre. Mais ouais, c'est des différentes parties de la plante qui vont se développer un peu plus et que nous, on va consommer derrière. Ils sont jolis, ces petits dessins. Ouais, très très bien fait. Excellent. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça, la salade ? Ah bah c'est ce qu'il a fait, ok, dans la vidéo. Il y a un autre exemple. La salade du botaniste, quelle partie de la plante mange-t-on ? On va vous mettre le lien aussi. Je crois que d'ailleurs, dans l'activité qui sera proposée, ça sera de prendre un de vos plats et d'analyser potentiellement les différentes plantes que vous consommez. Donc c'est pour ça qu'ils remettent ça en avant ici. Ça c'est excellent, ça c'est la carte d'origine. Alors moi c'est un jeu que j'ai fait, alors j'ai commencé ma vie professionnelle en faisant notamment de l'éducation à l'environnement et notamment à travers des ateliers d'initiation au potager. Et souvent un des jeux que je faisais avec les enfants notamment, c'était qu'ils me citent des choses qu'ils mangent au quotidien et qui viennent de chez nous, qui viennent d'Europe. Ah oui, et ça ne devait pas être facile pour c'était eux. C'était très difficile, ouais. Parce que, en fait, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui vient de chez nous. Les choses à base de blé, c'est ce qui est le plus facile à citer, mais c'est vrai que tu as plein de choses. Et encore, les tomates, blés. Tomates, maïs, riz. Les blés, ils sont considérés comme étant plutôt originaires de Mésopotamie. Oui, donc même mais oui, ça, c'est quand même relativement proche par rapport à d'autres. Oui, c'est assez proche, mais voilà. Il y a l'orge, oui, du coup, plutôt peut-être par chez nous. Ouais. En tout cas, voilà, pas et évident. Ouais, on voit que... Pas évident, quoi. Peut-être quelque chose. Il y a pas mal de choses. Mais... Voilà, elle est sympa cette carte. Des cailloux. Je la connaissais pas, des cailloux. Je la connaissais pas cette carte. Je vous copie le. Ils ont mis la référence. Hein. Ça date de 2018, donc c'est plutôt à jour, je pense. Excellent. Bien fait, bien fait. Donc ça, c'est le moment où ça a été domestiqué. Donc évidemment, ils sont pas forcément, on ne peut pas savoir la date exacte, mais c'est des estimations, potentiellement avec des traces de culture, de choses comme ça, d'endroits qu'ils ont caractérisés comme étant cultivés, et potentiellement de traces aussi qui ont été trouvées dans avec l'archéologie, ou dans des estomacs, des fois, hein, ils retrouvent des choses. Donc potentiellement, c'est comme ça que je pense qu'ils ont identifié les lieux d'origine et les dates différentes espèces qu'on voit là. Ouais. Et c'est vrai que du coup, moi, ça me fait souvent un peu sourire les personnes qui ont un regard un peu sceptique sur certains fruits ou certains légumes en disant « Ouais, mais du coup, ça vient d'ailleurs » et tout ça, quand parfois on installe dans certains jardins des... Ah bah, il y en a beaucoup, voilà. Et en fait, j'ai envie de leur dire en fait, arrête de manger, hein, parce que si tu veux enlever tout ce qui vient d'ailleurs, tu vas plus manger grand-chose. Oui. Ah, puis de toute façon, là, ça va peut-être être abordé à un moment, mais il y a une modification en cours de ce qui peut être cultivé avec les variations climatiques qu'on a en ce moment. Hein. Mm-hmm. Tout est bien qu'on va essayer, enfin, ça sera bien, je ne sais pas si ça va être fait au niveau général, mais des espèces qui sont notamment plus résistantes aux hautes températures et au manque d'eau se mettent à être cultivées dans nos régions. Ah bah pour l'instant, c'est pas trop ça, hein, mais il y a le travail du ministère américain de l'alimentation et de l'agriculture. Tu connais pas ça? Je sais pas, ça dépend ce que tu vas dire. C'est ce qu'on appelle les zones de rusticité. Ouais. Attends, j'essaie de te trouver le lien. Ça, c'est un truc qu'on utilise beaucoup, nous, en permaculture. Est-ce que j'arrive à vous trouver un lien avec les zones de rusticité? On va aller sur Wikipédia. Il y a Parpin qui dit
En Belgique, un agriculteur a lancé une exploitation d'olives. Il a commencé à y avoir des vignes aussi au Royaume-Uni qui se mettent en place, des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est forcément pour le mieux, quoi. C'est des opportunités qu'ils ont, mais après, Alors, c'est un autre débat. le département américain de l'agriculture a fait un énorme travail de cartographie du monde à partir de ce qu'on appelle en anglais les hardiness zones, donc les zones de rusticité en français, Ok. qui sont en fait un savant mélange de données qui concernent les températures minimales, et notamment celles qui sont en dessous de zéro. Mais il y a aussi d'autres critères comme la distance avec les grandes masses océaniques, etc., etc. Et en fait, l'idée, ils ont fait donc une cartographie avec des zones qui vont de 1 jusqu'à 10, avec aussi des sous-zones. Hein. Donc, par exemple, chez moi, j'ai 8A, 8B, etc. Et en fait, Ça me dit quelque chose. ça permet du coup de savoir, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la carte, mais ça permet de Je veux savoir. bien que tu la mettes dans le chat, parce que moi, je suis obligé de regarder sur le retour pour la Ok, voir, forcément. je l'ai là, tac. Évidemment. Mais Merci. ça permet de savoir en fait quelles sont les autres zones dans le monde. Donc ça peut être proche de chez vous, mais ça peut être aussi complètement à l'autre bout de la planète, qui partagent la même zone de rusticité que vous. Et donc c'est un des critères qui permet du coup de pouvoir estimer si une plante a plus ou moins de chances de pouvoir se développer et s'épanouir chez vous, quoi. Parce que en fait, si elle se déploie dans une zone qui a la même zone de rusticité que chez vous, ça veut dire que potentiel, enfin voilà, ça augmente la possibilité que ça soit possible de l'adapter chez vous. Donc voilà, c'est un outil qui est énormément utilisé en permaculture et notamment à travers une base de données mondiale de plantes qui s'appelle Plants for a Future, PFAF. Et qui, j'essaie de vous trouver le lien. Tac, PFAF, Plants for a Future, qui est une base de données juste immense, de ressources sur les plantes et sur voilà et qui a cartographié plus de 8000 plantes y compris avec leurs zones, les zones de rusticité. Et donc du coup, vous pouvez après faire des recherches et trouver les plantes Ok. qui peuvent correspondre chez vous, quoi. Donc assez dingo comme projet. Très cool. Merci pour les liens. Voilà. Top. Alors on revient à notre MOOC. Ouais, On a donc moi, de l'activité. des activités, voilà, les espèces dans notre assiette au quotidien justement. Temps estimé 30 minutes. Activité à réaliser chez soi avec un appareil photo ou un smartphone. Peut-être même le faire maintenant, certains, si vous êtes en train de manger. Vous pouvez, si vous êtes en train de manger. Prenez une photo de votre bon repas ou de votre belle assiette. Donc, ça ne marche pas si vous êtes en train de manger un bout de pain en regardant le live. Postez cette photo sur le forum de cette activité, accompagnée du nom des espèces qui se trouvent dans votre plat, ainsi que du nom de la famille si vous la connaissez. Pensez à noter la partie de la plante. S'agit-il de la racine, de la tige, des feuilles, des fleurs? Et puis ensuite, vous pouvez interagir avec les autres mookers, commenter et dites si d'autres parties des espèces citées sont comestibles. Voilà, une petite activité facile à faire N'hésitez et pas ça d'ailleurs à peut être les poster sympa. aussi sur les Discord, nos Discords respectifs si vous voulez. Ça nous fera plaisir. Enfin, moi perso, ça me ferait très plaisir de voir si vous avez identifié les choses. Donc, vous pouvez aussi poster ça directement chez nous. J'essaie de le faire. Moi, c'est pas très long, je pense, à faire, donc j'essaie de le faire. Trop bien. Alors, il y a des choux de Bruxelles chez Ratatouille. Parpaing, mais difficile. J'ai juste mangé des radis. C'est quelle partie de la plante, un chou c'est Je intéressant sais plus ça. c'est quoi, je sais pas si c'est ça. Le Ah, chou de si c'est. Bruxelles, botaniquement, c'est quoi? Intéressant ça, hein, comme question. On va vous laisser réfléchir à tout ça de toute façon. Puis n'hésitez pas, comme Une on a dit, à vous inscrire protubérance. directement. Une protubérance. Vous pouvez répondre directement dans les forums Voilà. du MOOC Donc vous voyez aussi. là tous les gens qui ont partagé leur repas, là, des photos de leur repas avec leur analyse. Il y en a quelques-uns quand même. Il y a du monde qui a participé Oui, il au y a pas mal de lancement. monde là. Alors Oui, effectivement. nous arrivons sur la deuxième
Deuxième vidéo de ce MOOC. Nous avons vu précédemment la diversité des organes de plantes que nous consommons et l'importance des céréales et des légumineuses dans notre alimentation. Pour illustrer cela, nous allons nous intéresser maintenant aux caractéristiques et aux usages de trois espèces en particulier. Eh ben, c'est parti, on va regarder ça ensemble et go. Bon courage pour le vétérinaire. Nous avons vu précédemment la diversité des organes de plantes que nous consommons. Et l'importance dans notre alimentation des céréales et des légumineuses. Nous allons maintenant illustrer cela avec trois espèces à travers leurs caractéristiques et leurs usages. Pour illustrer les céréales, nous avons d'abord souhaité vous présenter le riz. Le riz est une plante annuelle qui forme des touffes et qui est généralement cultivée dans des secteurs humides. La domestication du riz remonte à plus de 8000 ans, en particulier en Asie, mais on a sur d'autres territoires, entre autres en Afrique, également vu des sélections d'autres espèces. En Asie, c'est principalement Oryza sativa qui est à l'origine de l'ensemble des variétés cultivées. Le riz a une importance telle qu'il est célébré dans un certain nombre de cérémonies. Comme toutes les graminées, le riz a une apparence d'herbe. Alors, je vous présente un copain du riz, c'est pas du riz, hein, avec ses feuilles très allongées. Et dans le cas du riz, on a la jonction entre le limbe et la gaine, une ligule qui est très longue, membraneuse, mais également deux oreillettes fines, poilues. Au stade mature, les épillets du riz sont ovoïdes, un peu comme certaines méliques. Ils ne comprennent qu'une seule fleur fertile. Et cette fleur, contrairement à l'essentiel des poacées, possède six étamines. Chez les poacées, en général, il y en a trois. Toujours à maturité, l'inflorescence du riz est fortement arquée, un peu comme certains millets, certains sorgots, ou ici, ce Pipapterum. La domestication du riz a surtout ciblé la production avec des grains plus gros et une absence de chute de ces grains à maturité. L'homme a ainsi sélectionné des variants dont les grains restent attachés à l'inflorescence, facilitant la récolte. Les riz les plus consommés appartiennent à la sous-espèce Indica, donc grosso modo les riz asiatiques, le riz thaïlandais, donc les riz basmati, mais on a également les riz ronds qui appartiennent à la sous-espèce japonica et qui peuvent être cultivés en zone tempérée. On distingue également différents types de finition ou de préparation du riz pour la commercialisation. Le riz paddy qui garde les glumes et qui va être commercialisé avec ses glumes. Le riz complet est pour sa part commercialisé avec ses téguments. Et le riz blanc est un riz pour lequel le processus de préparation a retiré l'ensemble des glumes, glumelles et du tégument. J'ai une petite question pour les gens dans le chat qui achetaient du riz. Est-ce que vous avez dû remarquer qu'il y avait plusieurs temps de cuisson pour les riz? Est-ce qu'il y en a qui savent à quoi c'est dû comment ça se fait qu'on ait par exemple du riz, je sais pas, par exemple 15 minutes, 7 minutes et 3 minutes? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui le savent? Est-ce que c'est dû à l'espèce? Est-ce que c'est dû à autre chose? Je vais attendre de voir. Je pense que c'est pas forcément super simple de savoir ça. Zen nous dit que c'est peut-être ce qui est complet ou non, en fonction de la pollinisation. Ça dépend de la préparation, effectivement. Effectivement, c'est ça. En fait, pour accélérer la cuisson, on peut faire tourner dans des machines avant la vente pour que ça crée des micro-fractures sur le riz et que l'eau pénètre directement au cœur du riz, ce qui fait qu'il cuit beaucoup plus vite. Le souci, c'est que évidemment, vous allez perdre pas mal de nutriments par ce procédé. Donc, je vous conseille, si vous avez le temps, de plutôt prendre des riz qui mettent un temps plus de 10 minutes à cuire. Vous allez garder plus de nutriments, de choses comme ça. Ouais, c'est ça les micro-fissures, c'est ce que nous dit Hippolyte. C'est ça. Donc évidemment, ils vont cuire plus vite, mais il y aura moins de choses intéressantes qui seront conservées au niveau nutritif. La petite anecdote, petite précision. Super, merci. On peut reprendre du coup, si tu veux. Yeah.
culture du riz se fait traditionnellement en rizière, en secteur tropical, avec une mise en eau très précoce. Mais on peut également cultiver le riz et certaines variétés de riz en zone tempérée. Dans ce cas-là, les sélections qui sont utilisées sont sensiblement différentes. En France, la Camargue est la seule région productrice de riz. En Europe, on peut également en trouver en Italie ou en Espagne. En Afrique, on a également de la production de riz, mais dans des zones qui sont nettement plus sèches, dans des conditions en fait de culture, sans inondation. Le riz a été progressivement introduit en Europe, vraisemblablement via le monde musulman. On le trouve ainsi produit en Italie au XVe siècle, et il a même été ordonné en culture en Camargue au cours du XVIe siècle. Mais la production française s'est surtout développée au XXe siècle. Elle correspond à peu près 20 000 hectares. Mais ces 20 000 hectares cultivés en France sont un grain de riz par rapport aux 160 millions d'hectares qui sont cultivés en riz sur l'ensemble de la planète. Facile. J'ai oublié qu'ils faisaient des jeux de mots comme ça. J'en profite avant qu'on passe au maïs pour saluer toute l'équipe du CCP, du cours de conception en permaculture, qui est à la pépinière des alvéoles et qui sont en ce moment dans la serre et qui nous écoutent et qui peuvent écrire aussi dans le chat à travers le compte d'Elodie qui rit. Salut à vous. Bienvenue. Le maïs, Zéa maïs, est une graminée exceptionnellement grande pour une annuelle puisqu'elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres. C'est une des rares graminées monoïques, c'est-à-dire que les fleurs ne sont pas hermaphrodites, les sexes sont séparés. On a des épis femelles le long de la tige qui regroupent que des fleurs femelles et une inflorescence avec des fleurs uniquement mâles au sommet de la tige. À l'état sauvage, les espèces et les sous-espèces les plus proches du maïs sont appelées les théosinthes et elles se retrouvent en Amérique centrale. Mais leurs grains sont trop petits et trop durs pour être consommés. La domestication du maïs s'est faite progressivement, il y a 7000 ans environ, au Mexique, pour sélectionner des individus aux grains plus juteux et plus épais. Dans nos assiettes, on retrouve le maïs sous différentes formes, à travers l'épi de maïs bien sûr, mais aussi les cornflakes, ou encore la farine d'amidon qu'on peut utiliser pour faire des galettes comme les tortillas. On peut retrouver aussi le maïs sous forme liquide en boisson alcoolisée à travers la bière, à travers le whisky, le bourbon américain ou d'autres boissons fermentées. Enfin, on est obligé de parler de la star des salles obscures, le pop-corn. Donc ce pop-corn est issu de variants spécifiques du maïs dont l'enveloppe est plus épaisse. Cette enveloppe contient énormément d'amidon dans le grain. Lorsqu'on monte à température à plus de 100 degrés ce grain, l'eau contenue dans le grain passe sous forme de vapeur, fait gonfler l'amidon et explose le grain. Cet amidon donc se libère dans une forme où l'eau devient gazeuse et donc sort du grain et on a un grain soufflé, le pop-corn. Mais la consommation directe de maïs par l'homme représente qu'une faible part de cette culture de maïs. Ah oui. Plus de 50% de la production de ce maïs est destinée à l'élevage animalier. Mmh. Et ce maïs se consomme sous forme de grains ou même sous forme de plantes entières fermentées. Enfin, il existe une valorisation industrielle de ce maïs à travers la fécule d'amidon, mais aussi à travers de la fabrication de papier, de colle, de carton, ou encore à travers la production de bioéthanol. Mais cette culture de maïs n'est pas sans impact sur la qualité des sols, sur la ressource en eau ou sur les écosystèmes des plaines agricoles. À titre d'exemple, en 50 ans, le maïs est devenu une culture monospécifique très importante en Alsace au détriment des prairies de Forche qui contiennent une biodiversité intéressante. C'est aussi une culture très consommatrice d'eau. Je fais un point juste. Vas-y. Effectivement, en Alsace, on a le cas du grand hamster qui est un petit micro-mammifère qui était présent notamment dans les prairies de Fauche et qui se retrouve quasiment avec des habitats très très réduits puisque effectivement le maïs a remplacé ces milieux. Mmh. Et donc il y a différentes mesures qui sont mises en place pour essayer de sauvegarder ce petit micro-mammifère. Je crois qu'il y a un Life Plus, donc c'est un plan de protection organisé par l'Europe pour protéger le grand hamster qui est encadré par la Ligue de protection des oiseaux, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier vite fait. Mais oui, comme ça a été rapporté, effectivement, ça peut faire pas mal de dégâts. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Ouais, c'est bien, Life Plus. Ça s'appelle le Alistair, le plan de sauvegarde du grand hamster. Excellent. Je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse.
magnifique petit mammifère. Salut Axel, bienvenue à toi. Hop. Excellent. Prendre, du coup, je connaissais pas du tout ce point, je connaissais pas du tout ce grand hamster. Je pensais que tu voulais réagir sur le maïs et tout ça, mais je crois qu'on a déjà bien documenté le sujet du maïs et sa consommation en eau et tout ça. Il a fait un gros tour d'horizon quand même, là, je trouve. Donc c'est pas mal. Qui peut abaisser le toit de la nappe localement au détriment des écosystèmes humides environnants. En guise d'exemple des légumineuses, nous aurions pu prendre le haricot, le petit pois, mais d'un point de vue économique, ce qui est incontournable, c'est le soja. Le soja, ou glycine max comme nom scientifique, est une plante annuelle, mais qui peut atteindre 2 mètres de haut, dont les feuilles sont composées trifoliées, comme les feuilles de trèfle, et dont les fruits sont des gousses hérissées de poils. C'est un petit peu comme si vous aviez un petit pois dans sa cosse, avec des poils sur la cosse. L'espèce sauvage apparentée à glycine max est glycine soja, qu'on rencontre en Asie, dans le sud-est asiatique. On considère que les débuts de domestication du soja remontent à plusieurs centaines de milliers d'années, mais avec toute une phase qui a été progressive. On aurait ainsi eu une phase de culture parallèle entre glycine max et glycine soja, et c'est uniquement autour de 5 à 9 000 ans qu'on a bien individualisé le soja tel qu'il est actuellement interprété. Ce processus de domestication s'est concentré essentiellement sur la croissance des plantes, leur port, mais également, et encore une fois, le maintien des graines dans le fruit, c'est-à-dire l'absence de chute des graines à maturité. Un dernier élément qui a été sélectionné correspond à la dureté des téguments de la graine, qui sont nettement moins durs pour les plantes cultivées, pour glycine max, par rapport en fait à ses apparentés sauvages. Ce sont ces graines de soja qui servent avant tout comme élément consommé. Ils servent à produire des aliments pour certains non fermentés, comme le tofu, ou pour d'autres qui vont être fermentés, comme la sauce soja. Ces graines servent également à produire une huile, qui est quasiment la plus consommée dans certains territoires. Le tourteau, résidu de l'extraction de l'huile de soja, est largement utilisé dans l'alimentation animale. Tous ces processus de production d'aliments à base de soja induisent une élimination de certains composés, en particulier du myo-inositol, qui nous poserait, à nous, mais également aux animaux, des soucis de digestion. D'un point de vue culture, si la domestication du soja remonte à 5 ou 9 000 ans, elle s'est d'abord concentrée en Asie. Ce n'est qu'en 1712 que les premiers pieds de soja sont apportés en Europe, et en 1765, que les premiers plants posent leurs racines en Amérique du Nord. Il faudra même attendre le 19e siècle pour qu'ils atteignent l'Amérique du Sud. La culture du soja s'est surtout développée dans la seconde moitié du 20e siècle, lorsque certains agronomes se sont rendus compte que la combinaison soja plus maïs permettait d'avoir une ration que l'on va dire équilibrée, avec d'un côté des protéines apportées par le soja qui complètent les céréales, enfin la partie amidon que l'on a dans le maïs. Et cette combinaison a conduit à une explosion de la production. Ainsi, dans les 30 dernières années, la production de soja a quasiment triplé, de 136 millions de tonnes en 1994 à plus de 350 millions de tonnes en 2020, alors que les surfaces cultivées ont à peu près doublé. On avait 60 millions d'hectares en 1994, on est plutôt à 120 millions d'hectares aujourd'hui. Deux pays, les États-Unis et le Brésil, produisent à eux seuls quasiment les deux tiers de la production mondiale, auxquels on peut rajouter l'Argentine avec 50 millions de tonnes. Ces volumes de production n'ont pu être obtenus, n'ont pu être atteints qu'au travers d'un processus de sélection qui a incorporé des gènes dans le soja, en particulier des résistances aux herbicides et des modifications de la composition de l'huile avec une augmentation souvent de l'acide oléique. Ces OGM sont forcément la source d'un débat intense et passionné. On est dans une situation où, paradoxalement, on peut avoir de la production de tourteaux issus de soja OGM, mais à partir du moment où ce tourteau passe dans l'alimentation animale
que ce soit pour des vaches ou des cochons, en Europe, la viande de ces vaches ou de ces cochons ne sera pas considérée comme OGM. En France, le seul moyen, le seul critère qui distingue certaines productions de viande, c'est une déclaration volontaire, c'est une mention volontaire sans OGM qui pouvait apparaître sur la viande. Mais ce n'est pas une obligation. Ce débat sur les OGM n'est qu'un des débats que peut susciter le soja. On a également des débats sur l'empreinte écologique de la production dans certains pays, le coût de transport, la dépendance alimentaire vis-à-vis d'autres pays. Les accords internationaux qui ont pu favoriser l'importation de soja sont également un débat. Et on ne doit pas oublier les conséquences économiques et sociales de la production ou de production à visée exclusivement exportatrice dans certains pays. Je vais quand même faire un point. Évidemment, là, il était très focus sur le soja utilisé pour l'élevage. Hein. J'espère que vous avez compris. Quand il parlait des modifications OGM, c'était pour les soja qui vont être utilisés en tourteau, justement, apportés en Amérique, de manière générale d'ailleurs. Le soja, si vous êtes, par exemple, moi je suis végétarien, il y a peut-être d'autres gens ici, hein, vous remarquerez que sur ce qu'on achète, ce qu'on peut acheter en produit en France, c'est marqué sans OGM, voire la plupart sont bio même. Donc c'est vraiment une culture différente, hein, c'est vraiment deux choses différentes. C'est pas les mêmes soja. Ouais. Pas les mêmes soja. Donc il ne faut pas se dire, c'est, mon Dieu, c'est horrible. C'est deux choses différentes. Hein. Mais oui, effectivement, au niveau mondial, par contre, il y a des problèmes par rapport à ça. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Oui, c'est pas le même. Alors là, d'un point de vue, là, je parle en tant qu'agronome et puis en m'intéressant aux questions de transformation du modèle agricole français. Évidemment, la dépendance au soja de l'agriculture française et notamment de l'élevage français, elle est énorme. Hein. On produit plus que 3 ou 4% de notre... Bah, c'est soja et maïs, hein, de toute façon, vraiment les trucs pour l'élevage. Hein. Ouais, mais maïs, on en produit. C'est-à-dire qu'on a, on a une grosse production de maïs français, même si on en importe aussi. Alors que le soja, en fait, on n'en produit quasiment pas pour des raisons, je ne vais pas m'étendre là, mais qui sont historiques. On n'a pas développé la culture du soja en France. Voilà, l'élevage, ouais. C'est des choix qui ont été faits. Et du coup, bah, on importe quasiment tout notre soja du Brésil, notamment. Voilà, donc c'est vraiment une question. Bon, voilà, ça touche forcément à beaucoup, beaucoup de choses. Et le coût écologique de ça, c'est bah, évidemment la déforestation et tout ce qu'on connaît autour des travers et des méfaits qui sont liés à l'élevage industriel, quoi. Donc, j'aurais pas te dire Davidé, mais je pense, ou David, je sais pas comment on prononce son pseudo, hein, excuse-moi. Mais c'est sûr que c'est lié à des accords intercontinentaux. Ouais, c'est à partir des années 60-70, on a commencé à renforcer la ration, la part du soja dans la ration des animaux d'élevage en France. Et ça n'a pas arrêté de s'accentuer au fur et à mesure qu'on enlève de l'herbe. Parce qu'en fait, la réalité du paysage français, c'est qu'on retire des surfaces de prairies, des surfaces d'herbe, et on passe les animaux dans des bâtiments d'élevage alimentés avec notamment du soja et du maïs. Et donc, les tourteaux de soja, en fait, ont remplacé l'herbe, quoi, de façon tout à fait claire, pour pouvoir notamment libérer des prairies qui servent aujourd'hui à faire... Alors, dans le nord de la France, ça va surtout être des pommes de terre et des betteraves. Mais du coup, on perd un peu sur tous les tableaux parce qu'on perd nos paysages de prairies, et notamment de prairies permanentes et de bocages, qui sont des paysages qui sont très intéressants d'un point de vue écologique, notamment sur la question du cycle de l'eau, mais pas que, aussi sur les questions de biodiversité, de création de sols, etc. Et en plus de ça, on crée une dépendance énorme à l'importation de soja, donc voilà, et avec la problématique en plus des soja OGM que du coup on importe et qui sont la nourriture, qui sont devenus la nourriture de base pour nos vaches, nos cochons, etc. quoi. Ça concerne tous les animaux, alors tous les herbivores. Il y a aussi, moi je connais des gens qui sont dans l'élevage plutôt. Tout ce qui est volaille, on va dire, et il y a aussi du soja dans une part de leur alimentation. Ouais, c'est ça, voilà. Ça, ouais. C'est vraiment, c'est plutôt, on va dire, au niveau de tout ce qui est industriel, en tout cas, ça peut être utilisé, quoi. Donc, c'est ça, exactement.
Comme dit Alex, on pète la biodiversité et on se drogue au soja. On drogue l'élevage, en tout cas. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est des questions de fond, parce qu'évidemment, il y a tout le modèle d'élevage. Salut, un arbre dans la nature, oh, et bienvenue à toi. Très beau pseudo. Ouais. Bienvenue à toi et merci pour ton follow. N'hésitez pas à faire comme un arbre dans la nature si vous ne suivez pas la chaîne et à cliquer sur le petit cœur qui se situe quelque part sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez être informé des prochaines diffusions. Donc voilà, en fait, on est dans un contexte où il y a une réflexion à la fois globale sur le modèle agricole et sur notamment la consommation de viande et la production de viande, la production de lait aussi, hein, puisque quand on parle des vaches, oui, c'est aussi pour la production laitière. Et puis voilà, il y a une inégalité, parce que autant les chèvres en partie, les moutons sont restés des élevages où la part des prairies restait importante, parce qu'on est souvent dans des zones de montagne avec des types de sols et de paysages qui sont difficiles à transformer en culture de céréales ou en culture de légumes, de pommes de terre ou autres. Donc du coup, on a maintenu une part importante des troupeaux caprins, des troupeaux ovins dans les herbages, alors que les zones plus plates, où habituellement on élève plutôt les vaches notamment, je pense évidemment à la Normandie, au nord de la France, etc., et ben là, en fait, on est en train de complètement sortir les vaches des prairies, les mettre dans des bâtiments, exactement comme on fait avec les cochons, et remplacer leur alimentation par le maïs et le soja. Voilà. Yannick dit, perso, j'ai bossé en conventionnel et en booster. Bref, mieux. Je sais pas trop ce que ça veut dire, en booster, bio, mais... malgré tout. Yes, n'hésite pas à nous préciser. Voilà. Salut Emilien Colli, bienvenue à toi. Oui, donc là, ils ont fait un tour d'horizon, évidemment. Ils sont pas là pour remettre en cause tout le... Ouais, système, ouais, c'était pour vous parler un petit peu de ce qui se faisait, en tout cas actuellement. Yes. Hop. La carotte. Let's go. C'est parti. La carotte est une espèce annuelle, voire bisannuelle, qui fleurit pendant l'été, qu'on reconnaît à son feuillage très découpé. Ces inflorescences sont composées de fleurs blanches, regroupées en une ombelle. C'est caractéristique de la famille des ombellifères, qu'on nomme aussi les apiacées. Ce qui est très important à observer aussi pour reconnaître la carotte par rapport à d'autres espèces d'apiacées, c'est ces fleurs rouges qu'on peut trouver parfois, pas tout le temps, au centre des inflorescences de ces carottes. Et les bractées, donc, qui sous-tendent l'ombelle, qui sont, elles, divisées, donc grandes et divisées. Et alors, pourquoi on a ces fleurs rouges au centre de ces inflorescences? En fait, il s'agit d'un mimétisme. C'est des fleurs qui miment un petit coléoptère et qui pourraient ainsi attirer d'autres coléoptères sur ces fleurs et ainsi favoriser la pollinisation de cette espèce. Outre les coléoptères, on peut trouver toute une série d'autres invertébrés qui viennent sur ces inflorescences, qui les utilisent comme une plateforme d'atterrissage et qui vont venir se nourrir du nectar produit par chacune de ces fleurs. Donc il y a tout un tas d'interactions qui vont se mettre en place sur ces inflorescences. À la fin de l'été, les fleurs fécondées vont donner des fruits, les diakènes. Donc chaque akène va contenir une graine. Et ces akènes ont la particularité d'être couverts d'aiguillons. On commence à voir des akènes qui ne sont pas encore matures, mais on voit bien les aiguillons sur les fruits. Et donc ces aiguillons vont permettre à la carotte de disperser ses semences sur nos vêtements ou sur la fourrure des animaux, donc grâce à ces aiguillons. Et ce mode de dispersion est nommé zoochorie, puisque c'est dispersé par les animaux. La partie que l'on consomme de la carotte est sa racine. Et d'ailleurs, c'est un critère qui permet de la reconnaître. Si vous déterrez la racine d'une espèce qui peut ressembler à une carotte et que vous sentez cette racine après l'avoir un peu frottée, vous devez retrouver vraiment cette odeur caractéristique des carottes. Si vous trouvez une odeur plus aromatique, là, il faut se méfier. Voilà ce que donnent les racines d'une carotte qu'on peut trouver dans une friche. Donc on sent bien
l'odeur de carotte. Alors après, on voit la couleur qui est plus, un peu blanchâtre. Dans les variétés de carottes qui sont cultivées, on va notamment les distinguer justement par cette couleur. Donc on va trouver des variétés à racines blanches, d'autres oranges, d'autres violettes. La carotte que l'on consomme, donc la racine, est riche en glucides, en fibres, mais aussi en vitamine A et en vitamine B. Pour ne pas confondre la carotte avec d'autres apiacées, comme les cerfeuils, les torylis, voire la petite ciguë qui est très toxique, il est important de regarder les différents critères qu'on a déjà vus ensemble, donc la fleur pourpre au centre des inflorescences, les bractées sous les ombelles qui sont donc divisées et non rabattues, et enfin la racine, donc avec cette odeur de carotte bien particulière. Donc il ne faut pas avoir ni d'odeur aromatique ou fétide. La carotte est une espèce typique des friches urbaines, qui va arriver donc après les espèces de coquelicots, de camomilles, de kénopodes qu'on trouve un peu par là, donc qui sont des espèces vraiment pionnières. Elle va arriver ensuite et elle se trouve particulièrement bien dans ces milieux puisqu'ils ne sont pas gérés ou gérés de manière chaotique. Comme elle est bisannuelle, elle a besoin de 2 années sans gestion pour pouvoir produire des fleurs et donc des fruits et ainsi refaire son cycle. Dans cette vidéo, nous avons vu que, par son importance en Asie, le riz est une des espèces les plus célébrées au monde. Nous avons aussi vu que le maïs est une des cultures les plus importantes au monde, c'est clair. Mais essentiellement pour l'alimentation de notre bétail. Enfin, nous avons vu que le soja est historiquement dans la culture est-asiatique l'équivalent des haricots américains et européens. Et la carotte. Alors, ouais, soit c'est moi qui ne sais pas compter, soit ils ont annoncé qu'ils allaient nous présenter 3 plantes. Et en fait, ils nous ont fait le riz, le maïs et le soja. Et après, ils nous présentent la carotte. Donc, on est quand même arrivé petit à 4. Supplément. Petit supplément. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, j'ai bien remarqué qu'on avait eu le droit à du rab de carotte. Du rab de carotte, parfait. Voilà. Et oui, comme certains le disent dans le chat, certaines personnes, effectivement, faut faire très attention parce qu'il y a des plantes toxiques, hein, ça a déjà été dit au début, que ouais, vraiment, si vous n'êtes pas certain, surtout ne consommez pas, n'essayez pas de manger un truc. Hein. Je regarde ce qui est dit hein, vite fait dans le chat. C'est parce que ça rend aimable. Ah, peut-être pour ça qu'ils l'ont mis à la fin, je ne sais pas. Mais les critères qui ont été donnés n'étaient pas trop mal. Hein. Je crois qu'ils reparlent des carottes dans les ressources après. Alors, on a droit à un schéma, toujours de Sophie Nadeau, sur le système sexuel. Donc, c'est pareil, c'est des révisions de la première édition du MOOC. Je vous colle le lien. Donc ouais, rapidement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, en gros, on a des plantes qui vont avoir les deux sexes sur le même pied, voire sur la même fleur. D'autres plantes qui vont avoir les deux sexes sur le même pied, mais sur des fleurs différentes. Et d'autres plantes où ça va être la femelle et le mâle sur vraiment des pieds à part. Voilà, pour résumer très simplement. Et Elodie Kiri, nous aussi, on a eu du rab de carottes au CCP cette semaine. Donc... Pour ceux qui sont déjà allés en formation aux alvéoles, on mange très 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 bien avec notre cuisinière Céline qui fait des repas magnifiques à base de toute la diversité et la richesse de tout ce qu'on peut trouver dans notre département de la Drôme comme alimentation de qualité. Donc c'est cool. Moi je suis content parce que là pendant 2 semaines je mange ultra bien. Bon je mange bien le reste du temps aussi hein, mais là c'est parfait. Donc les bractées, c'est un bon exercice hein, les bractées, franchement si vous n'avez pas encore fait l'exercice d'aller voir une carotte et de bien voilà, voir déjà identifier cet organe et voir comment on peut différencier les bractées divisées de la carotte cultivée par rapport à celles qui sont rabattues de la carotte sauvage. C'est bien. Ça et puis les poils. Yes, Céline confirme, c'est bon et beau.
Les repas aux alvéoles. Système sexuel, plantes hermaphrodites, plantes monoïques, plantes dioïques. Donc vous verrez ça dans le document. Il y a une fiche justement sur la confusion d'espèces. Mettre les liens. Donc ne confondez pas là vous voyez des descriptifs de la petite ciguë, la grande ciguë, la carotte sauvage, le cerfeuil sauvage. Le Nantes, il y a, je ne sais plus c'était, qu'est-ce qu'il y en a parlé tout à l'heure, c'était Émilie Ancoli. Attention aux œufs Nantes, ouais, qui ressemblent beaucoup. Donc elle est, le Nantes safrané, elle est décrite aussi dans cette fiche. Le persil plat, qui est aussi une apiacée. Donc voilà, sur les petites confusions, ça vaut le coup d'aller. Les fiches voir. Sont très bien faites. Hein. Ouais. Ça vaut le coup d'aller voir ce petit document. Maïs sauvage et maïs domestiqué, un autre document qui est proposé et qui nous parle justement du processus de domestication du maïs, où on voit bien, notamment sur ce schéma, l'évolution entre le maïs sauvage, qui est en fait des épis tout à fait d'une taille, comment dire ça, voilà, qui a rien ah à oui, voir, c'est pas pareil, hein. Qui a rien à voir en fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un point commun de tous les légumes et voilà et les fruits hein, qu'on consomme. Allez voir les carottes en dessous. Voilà. C'est pas mal. Alors là, j'ai pas les carottes. Et si je vais un peu plus bas. Non, c'est dans une autre source. Ah ok. Carte de répartition des espèces apparentées aux riz cultivés et des aires de domestication. Des riz cultivés. Salut John, wesh. Salut John. Il y a Annie qui nous dit non sauvage, c'est celle que nous consommons. Je sais pas. Eh ben cool, merci pour ton enthousiasme. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir par ici ce soir. John qui est resté en majuscule. C'est l'enthousiasme. Attention, l'enthousiasme attention, attention, attention. Donc là on est sur la zone de répartition carte de répartition des espèces apparentées aux riz cultivés hein, donc voilà les différentes aires de répartition que vous pouvez observer sur cette carte qui nous est proposée et puis la carte de répartition est origine de la carotte, c'est en anglais mais du coup le schéma est, je trouve, assez parlant. Ça permet du coup de voir à peu près à quel siècle la carotte a circulé et comment en arrivant au départ entre le Moyen-Orient et l'Asie dans une zone qui correspond, je sais pas exactement quel pays aujourd'hui, mais voilà à l'est en tout cas du Moyen-Orient. Donc intéressant de voir sa circulation et comment elle est arrivée chez nous aux alentours du 14e siècle. Voilà, c'est ça. Soit les chats dégagent tout, soit elles ne germent pas. Ah ouais, c'est pas facile d'obtenir. Il y a des gens carotte, qui ont des petits problèmes avec les plantes carottes. Alors, le conseil carotte. Je suis assez mal placé pour vous faire des conseils carottes parce que moi aussi je galère un peu avec les carottes. Non, les trucs qui fonctionnent pour moi, qui ont bien fonctionné pour moi, c'est alors plusieurs astuces. Première chose, c'est le lit de sable. Ça fonctionne assez bien. Donc vous préparez un petit lit de sable, pas besoin qu'il soit très épais, hein, quelques millimètres, et vous semez dans votre lit de sable. Ensuite, autre astuce, c'est de vraiment être hyper vigilant sur l'arrosage. Donc il faut vraiment rien lâcher sur les carottes, il faut les arroser jusqu'à ce qu'elles germent et qu'elles aient commencé à se développer. Moi je fais un arrosage pas très copieux, mais régulier tous les jours, vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Autour de ma carotte. Et au moment du semis, je fais attention de bien plomber mon semis avec le dos de mon râteau, de bien appuyer pour que la graine colle un peu au sol et éventuellement à mon petit lit de sable si j'ai fait un lit de sable. Voilà parmi les petites astuces qui fonctionnent assez bien avec la carotte. Et surveiller les chats, évidemment. Et alors pour les chats...
Bah, il y a le lance-pierre, non, c'est une blague. Il y a qu'est-ce qu'il y a pour les chats? Il y a le fait de mettre vos semis de carottes, hein, dans un espace grillagé, ce qui permet du coup de pouvoir le protéger au moins quelques temps du travail du chat. Donc ça fonctionne assez bien. Et il y a un autre truc. En désespoir de cause, je vais me faire taper par les jardiniers chevronnés, mais c'est pas grave. On peut semer des carottes en jardinière ou en motte ou sous abri, en pépinière ou même à l'intérieur, et les repiquer ensuite. C'est pas très conseillé. En général, on le fait pas parce que c'est assez fastidieux. Mais si vraiment vous galérez, vous pouvez tout à fait, vous avez le droit d'enterrer et de brûler tous les livres de jardinage et de faire ce qu'on vous interdit de faire, c'est-à-dire faire des semis sous abri de carottes et les repiquer ensuite. Voilà, peut-être vous aurez des carottes un peu fourchues. Les carottes, c'est pas. Mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas forcément c'est le truc. C'est pas évident. Et dans les associations, effectivement, radis carottes. Alors il y en a un qui est encore mieux, c'est radis. Carotte salade, donc vous mélangez vos trois sachets de graines et vous semez tout ensemble sur un rang. Radis, carottes et salade. Les radis vont pousser le plus rapidement, donc assez vite vous allez pouvoir les récolter et vous allez pouvoir du coup laisser de la place pour les salades et les carottes. Ensuite vous allez un peu plus tard dans la saison récolter vos salades et du coup à la fin vous aurez plus que vos carottes et vous aurez gagné de la place puisque vous auriez tout semé sur le même rang et laissé moins de place pour la végétation spontanée, donc moins de désherbage. Voilà pour les astuces du jour. Les conseils de Samuel. Le conseil perma du soir. Tu fasses une récompense de points de chaîne. C'est ça. Ce serait drôle. Voilà. Teste une couche de compost légère et goutte à goutte, pourquoi pas. Ouais. Ça peut marcher. Ça peut marcher, John. Top, on continue de regarder les... Il reste justement... Un schéma sur la domestication de la carotte. Ah ouais, c'est ça. On va regarder ça. Tac. Oh, c'est beau. Vous voyez que ça a bien évolué. Hein. Ouais, entre le... ouais, évidemment, c'est des espèces qui sont actuelles, hein, mais ils ont un petit peu refait la domestication avec ça. Quoi. Excellent. Et sur la fin, c'est la sélection même. Donc c'est plutôt bien expliqué. Hein. En gros, ils ont sectionné celles qui étaient les plus larges et les plus longues. Après, ils ont regardé au niveau de la saveur et puis de la présence ou pas de carotène notamment. Et puis des feuilles. Et après, bah, ils ont sectionné ce qui était plus agréable et plus uniforme aussi, évidemment, pour l'agriculture. Voilà. Moi, ce que je... Ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que il y a souvent un peu un mythe de... semer des trucs, les cultiver et après les laisser se débrouiller seuls dans la nature, etc. Et en fait, si vous faites avec votre carotte comme ce que... Enfin, si vous prenez votre chien d'appartement et que vous l'emmenez dans la nature en lui disant « Débrouille-toi par toi-même, sois libre », ben, en fait, il risque fort soit de se faire renverser par une bagnole ou soit de mourir de froid dans un coin. Et ben pour une carotte c'est pareil en fait, hein. Elle a tellement coévolué depuis longtemps avec l'homme, il a tellement pris soin d'elle et retiré tout ce qui la gênait, les herbes spontanées autour, etc., l'arrosage et tout ça, bref, c'est assez utopique de vouloir cultiver des légumes qui ont autant coévolué avec l'humain dans un environnement complètement sauvage. Donc si vous voulez avoir des récoltes, il faut sortir un tout petit peu du mythe du jardin complètement sauvage. Après, on peut réensauvager partiellement nos espaces de culture, mais on ne pourra jamais se passer de prodiguer un certain nombre de soins auprès de ces légumes-là et de ces fruits-là, tout simplement parce que c'est ce qu'on leur a proposé depuis des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'années, au moins des milliers d'années. Donc voilà, il y a clairement un petit oui, travail, un entretien, un peu de soin à mettre. Top. On arrive tout doucement à la troisième vidéo. Les familles. Donc, en deux parties, je crois. Ouais, c'est en ça. Deux parties. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux caractéristiques et aux usages de trois familles, celle du riz et du maïs.
les poacées, celle du soja, les fabacées et celle de la carotte, les apiacées. Donc là, en fait, on passe des plantes qu'on a vues à leur famille et on s'intéresse à leur famille. Cette vidéo est en deux parties. Un petit jeu sur les familles botaniques vous sera proposé entre la partie 1 et la partie 2 de la vidéo. Donc soyez bien attentifs pour qu'on soit au taquet sur le petit jeu. Ça va, c'est bon, vous êtes bien, bien posé. Toujours concentré. Toujours concentré. Eh ben, c'est parti. Wow. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux caractéristiques et aux usages de trois familles. Celle du riz et du maïs, les poacées. Celle du soja, les fabacées. Et celle de la carotte, les apiacées ou ombellifères. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment on fait la différence entre une herbe et une autre herbe. En fait, le mot herbe, herbacée plutôt, désigne la physionomie de la plante et donc une plante plutôt souple, non ligneuse. Mais il est vrai que la famille la plus emblématique des herbacées, c'est la famille des graminées. Les graminées, appelées aussi poacées, si tout le monde dit que ça se ressemble, c'est au moins facile à reconnaître. Elles ont une très forte homogénéité morphologique. Elles sont composées donc de tiges, composées elles-mêmes de nœuds et d'entre-nœuds. Au niveau des nœuds s'insère à chaque fois une feuille en alternance. Et ces feuilles de graminées, elles sont aussi très caractéristiques. Elles sont composées d'une gaine, généralement fendue, et ensuite d'un limbe qui diverge de la tige. Au niveau de l'intersection entre la gaine et le limbe, on retrouve vers l'extérieur parfois des oreillettes et à l'intérieur une ligule qui peut être soit membraneuse, soit remplacée par une ligne de poils, soit même absente. Ce chaume se termine généralement par une inflorescence qui peut être un panicule ou un épi. Et cette inflorescence est composée de l'inflorescence typique des graminées qu'on appelle l'épillet. Cet épillet, il est bien composé de fleurs. Alors vous vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce que les graminées fleurissent ? Bien sûr, c'est des plantes à fleurs. Seulement, les graminées se passent de pollinisateurs pour transporter le pollen aux gynécées. Elles utilisent le vent, c'est des plantes anémophiles. Ça se compense généralement par une grande production de pollen et les allergiques le savent. L'épillet, cette inflorescence typique des graminées, c'est en fait une boîte composée de deux couvercles qu'on appelle les glumes. Et au sein de ces glumes, on a des fleurs. Donc ici, j'ai deux glumes et quand je les ouvre, je peux séparer ensuite de l'épillet deux fleurs que les flores appellent parfois des florons ou des fleurets. Chaque fleur de l'épillet est elle-même une boîte à deux couvercles composée donc de deux glumelles. La glumelle inférieure, qui est souvent l'élément de dispersion du fruit de la graminée, et qui peut être par exemple aristée avec une grande arête ou poilue, et la glumelle supérieure, la paléole, qui contient le gynécée, qui est composé de deux carpelles soudées, et 3 à 6 étamines par fleur. C'est souvent donc grâce à cette lème la fleur qui se disperse, soit par le vent, par anémochorie, ou alors, notamment grâce à ses arêtes, par zoochorie. Et on a tous eu déjà des fleurs de graminées coincées dans nos chaussettes et on a dispersé ces graines de graminées. Ouais, participer à la dispersion en marchant dans les prairies. Alors attention à ne pas confondre les graminées avec deux autres grandes familles où on va retrouver des plantes à port herbacé, mais aussi très linéaire. Ce port graminoïde, on peut le retrouver chez les cyperacées, la famille notamment des lèches, le genre Carex. Mais on les reconnaît souvent par leur section de tige triangulaire à la base et par leur alignement de feuilles sur 3 rangs. On retrouve aussi ce port très herbacé linéaire chez la famille des juncacées, notamment avec les joncs.
mais cette fois-ci, on reconnaît assez facilement un jonc, notamment par ses fleurs à symétrie radiale et donc à six tépales. Si ce n'est que la cinquième plus grande famille de plantes à fleurs, avec ses 12 000 espèces, c'est tout de même la famille la plus importante en termes d'alimentation, et notamment avec quelques espèces de céréales, notamment le riz, le blé, le maïs, qui représentent plus d'un tiers de l'alimentation mondiale. Sans oublier la culture de la canne à sucre pour la production de sucre. Et pour le côté olfactif, il ne faut pas aussi oublier la citronnelle, qui est bien sûr une graminée. Les graminées sont surtout très importantes au niveau écologique, puisque elles se retrouvent et structurent la quasi-totalité des écosystèmes non forestiers sur la Terre. Donc quand on n'a pas d'écosystème arboré, on a généralement un écosystème structuré par des graminées. Parmi les espèces les plus communes de graminées, on peut citer le pâturin annuel, Poa annua, qui est une espèce que vous connaissez puisque vous marchez régulièrement dessus en ville. C'est l'espèce qui est la plus fréquente entre les pavés des trottoirs. Le dactyle aggloméré, Dactylis glomerata, donc c'est une graminée prairiale qu'on retrouve quand même un peu partout. C'est une espèce qu'on dit ubiquiste. On peut même la retrouver en Bordeaux ou en centre-ville. On la reconnaît par son vert bleuté, un vert glauque. Son inflorescence unilatérale, tournée dans un seul sens, et elle est parfois aussi compressée latéralement à la base. Le roseau commun, Phragmites australis, est une espèce très vastement répartie sur le globe. Elle est cosmopolite et elle est surtout très structurante des écosystèmes humides et notamment des roselières. C'est aussi une espèce très importante pour les constructions. On retrouve donc des roseaux en fagots pour faire les toitures de chaume ou pour la flottaison de ces fagots dans la confection de bateaux. Et elle a été tellement importante à une époque que ça reste un des signes les plus utilisés dans les hiéroglyphes égyptiens. Le régras anglais, l'Olium perenne, est une espèce rhizomateuse très recouvrante qui va réconcilier les fans de golf, de foot et de rugby, puisque c'est une des espèces les plus fréquentes sur les gazons sportifs, avec la fétuque foroso ou le pâturin des prés. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment nous pouvons manger un fruit et un légume en même temps sans s'étouffer, grâce aux légumineuses, comme on peut avoir ici. Les légumineuses ou fabacées représentent une immense famille de presque 20 000 espèces aux caractéristiques morphologiques marquées. Elles sont classiquement divisées en trois sous-familles, dont une qu'on appelle les faboïdées avec ce type de fleurs-là. La feuille des fabacées est une feuille composée généralement imparipennée, comme celle-ci. Parfois avec une vrille au sommet, comme ici, et il y a même l'extrême où toute la feuille se transforme en une vrille, c'est le cas du petit pois. Elle peut aussi être simplement à trois folioles, ce qu'on va avoir ici, comme chez les trèfles et les luzernes. Mais ce qui est surtout important chez les fabacées, c'est d'abord et avant tout le fruit. Donc ce fruit est une gousse, alors différentes formes, plus ou moins développées. Parfois, il n'y a qu'une seule graine. Ici, il y en a trois. Et on peut même avoir des situations où cette gousse, elle forme une spirale. C'est ce fruit qui est la caractéristique de la famille. La fleur dite papillonacée, comme on a ici, est pour sa part la plus grande caractéristique d'une sous-famille des fabacées, celle qu'on appelle la sous-famille des faboïdées ou des papillonoïdées. Donc ces fleurs papillonacées possèdent un calice de sépales soudées et une corolle nettement zygomorphe. Au schéma. Ouais, je mets en pause, ça me permet du coup de saluer Chloé. Salut Chloé,
Chloé Jardin Mandala qui est dans le chat. Chloé qui est ma collègue aux alvéoles et qui est aussi qui jardine à l'oasis de Serendip le jardin Mandala, d'où son pseudo Chloé Jardin Mandala, qui est comment on te présente, bah voilà, passionnée des plantes, pas mal bien calée en botanique, donc vous allez pouvoir profiter de sa présence aussi pour poser des, n'hésite pas à nous aider, hein, si des questions, t'as des informations supplémentaires. Voilà, et aussi dans les usages des plantes, puisque elle fait plein de préparations, des baumes, des crèmes, des hydrolats, des teintures mères, des huiles essentielles et plein de choses autour des plantes, surtout dans une optique de soins. Donc, bah, la semaine prochaine, si tu es dispo, n'hésite pas, on va parler de ça. Tout à fait, on sera sur le thème se soigner. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Axel qui dit c'est pas sorcier cette maquette. Ouais, c'est bien, c'est pas plus mal. Hein. Grossir comme ça, de voir ça en plus grand. Grave. Tout le monde avait pisté la référence, je crois, à C'est pas sorcier et à Jamie. Ouais, n'hésite pas, Chloé, si tu veux intervenir, apporter des précisions ou si vous avez envie de questionner Chloé, n'hésitez pas. Tant qu'elle est dans le coin, je ne sais pas si tu vas rester. Ouais, et les stages botaniques des alvéoles, c'est vrai. Vous pouvez tout à fait prolonger. Si vous avez envie d'apprendre la botanique de façon beaucoup plus, on va dire, physique que à travers le MOOC de Tella Botanica ou nos soirées, ou en complément, vous pouvez tout à fait vous rendre sur le site des alvéoles. Je crois que j'ai dû faire une commande alvéole. Voilà, tac, commande alvéole, pif, et voilà. Yes. Et vous pourrez trouver du coup dans la partie formation les stages botaniques. Il y aura un stage notamment le prochain qui sera vers la mi-septembre avec Chloé. Donc voilà, n'hésitez pas. Bel beau moment et puis surtout moment très apprenant avec elle et avec. Oui, de toute façon, sur le terrain, oui, c'est là où on retient le plus en général. Hein. Exact. Exact, exact. Alors, qu'est-ce que c'est cette maquette là? Qu'est-ce que ça représente? Tu peux peut-être revenir un peu en arrière. Ouais, je sais pas ce qu'il revenir. Disait. Mais... On va revenir juste un peu en arrière. Est-ce qu'il arrive? Ouais, en plus, il y a ça, voilà, qui est expliqué. Donc, on a. Ah putain, ils se sont vraiment arrachés sur la. Ouais. Sur la maquette. Hein. Elle est canon. Elle est canon. Petit pois. Eh ben, on va savoir ça. C'est parti. Donc, ces fleurs papillonnacées possède un calice de sépales soudées et une corolle nettement zygomorphe. Cette corolle est composée de 5 pétales libres qui portent des noms particuliers. On a en particulier l'étendard, qui est le grand pétale à l'extérieur. On a... On peut même le démonter et tout. Si ça vient. Une aile et une deuxième aile, qui sont deux pétales qui protègent. Deux autres pétales inférieurs qui sont parfois soudés. Oh, incroyable maquette. Qui constituent ce qu'on appelle la carène. Génial. Le tout protégeant un système, une androcée avec 10 étamines généralement soudées en un tube. Et ces étamines, on va essayer de sortir. Voilà, qui protège un carpel unique qu'on retrouve comme ceci. Voilà. C'est ce carpel unique qui, une fois fécondé, va donner un fruit qu'on appelle gousse ou légume. Ça sera un fruit sec, en gros, qui est déhiscent. Ah, il y a même une maquette de gousse, quoi. Qui s'ouvre à maturité. Pour retrouver dedans, si ça veut bien venir, voilà. Oh là là. Nos graines. Énorme. En plus, ça coûte cher, hein, les maquettes comme ça. On fait des belles choses avec les imprimantes 3D. C'est maintenant le moment de résoudre la question. La tomate est-elle un fruit ou un légume? Ah. Qu'est-ce qu'elle a? Attendez, on met pause. C'est important. À votre avis. On va voir si. Tu veux lancer un petit challenge, un petit sondage là? On peut mettre, on peut mettre un sondage si tu veux. Je sais pas si t'as des modérateurs ou des modératrices. Yazen, ouais. On peut mettre tomate est-elle fruit, légume ou les deux? Ou aucun des deux peut-être.
C'est pour les gens qui connaissent Twitch, il y a un outil qui permet de faire directement des sondages dans le chat. Vous allez pouvoir participer directement, donner votre avis. Il y a même un outil qui s'appelle Prédiction, mais je ne l'ai jamais utilisé encore. Ouais, en général, il faut qu'il y ait pas mal de temps entre la question et la réponse. À mon avis, je vais répondre direct là, donc c'est pas forcément. Est-ce que Zen, tu es suffisamment au taquet pour nous préparer un petit sondage? Attends, elle cherche. Attendez, je cherche. mais j'ai pas les droits. Ah, ok. Non, mais elle va y arriver. Sinon, tu me passes en modérateur, je peux le faire. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont informés dans le chat. Donc, Yes. Alors, on a déjà des réponses. On a un peu tout. Emilien Colli qui dit les deux. Alex qui nous dit fruits. Auré qui nous dit un légume fruit avec un smiley. Zen qui nous dit un fruit d'un point de vue biologique et un légume en cuisine. Petite Sarcelle qui dit un peu la même chose, hein, fruits en bota et légumes en cuisine. J'aime bien cette réponse. Il y a Céline qui dit fruits, j'aurais dit comme ça. Gigilou qui nous dit fruits aussi. Il y a un sondage à la pépinière des alvéoles et Hello nous rapporte que la réponse c'est fruits. Donc on a un sondage dans le sondage là. Patbat nous dit fruits aussi. Jawen, salut à toi, nous dit botaniquement parlant, un fruit dans la vie, on dit un légume, mais surtout, on s'en fout. Ouais. Petite Sarcelle, surtout que légume en bota, c'est pas très utilisé de toute façon. C'est donc, ça. Ça semble. On peut le dire. Hein. En fait, légume, c'est un terme de cuisine, on va dire, c'est pas un terme botanique. Donc ça peut être accordé à plein de choses qui vont être consommées, en fait. Et donc, effectivement, là, ça va être précisé, je pense, mais c'est bien un fruit à la base, si on parle du terme botanique, on va dire. Et en même temps, c'est un légume. Du coup, c'est les deux. Ouais, moi, ce qui m'occupe souvent, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle fruit et est-ce que c'est un porte-fruit ou est-ce que c'est un fruit. Voilà, oui, après, tu as différentes formes de fruits, effectivement. T'as les faux fruits entre guillemets, enfin faudrait faire un cours exprès sur les fruits tellement il y a des variétés de fruits différents. C'est ça. Mais la majorité on va dire c'est la fleur qui se transforme, enfin une partie de la fleur qui se transforme, ça va dépendre. Hein. Il y en a par exemple la pomme, c'est pas du tout la même transformation que la cerise par exemple. Mais c'est la fleur qui change ou une partie de la fleur généralement. Ou alors plusieurs fleurs qui se transforment aussi parfois. Donc ouais, ça va varier. La fraise et le piège classique, fleur, hein. Effectivement. Ah oui, la fraise, mais c'est particulier. Hein. Que des intellos, ce chat. Mais il va préciser. Yes, ok, c'est parti. En gros, pour un botaniste, c'est d'abord et avant tout le résultat de la fécondation d'un ovaire, donc c'est un fruit. Sauf que pour le cuisinier, pour l'épicier, la tomate est un légume, puisque dans ce contexte-là, un légume, c'est un ingrédient qu'on met dans un plat salé, ou du moins dans un plat qui n'est pas sucré. Good, good. Et dans ces situations-là, c'est un ingrédient d'origine végétale. Que vient faire cette solanacée dans notre séquence sur les fabacées? Eh bien, à l'inverse, le petit pois ou le haricot sont des fruits, qu'on appelle des légumes. Peut-être tu peux l'envoyer en MP à sa mère, peut-être. Du point de vue, en fait, du développement, c'est un ovaire fécondé. Donc, un petit pois, un haricot, ça va être un fruit pour un botaniste. Sauf que ce fruit qu'on appelle gousse porte également le nom, du point de vue des botanistes, de légumes, d'où le nom de famille légumineuse qui est utilisable pour la famille. En termes d'alimentation, les haricots rouges, blancs, voire de plein d'autres couleurs, les petits pois vont s'ajouter au soja, mais aussi aux lentilles, aux pois chiches dans notre alimentation. On a une situation avec les fabacées qui est parallèle à celle des poacées, où les fabacées cultivées vont être, pour une grande part d'entre elles, utilisées non pas directement en alimentation humaine, mais pour l'alimentation animale, en tant que source de protéines. Une des spécificités écologiques des fabacées, c'est leur capacité
à la très grande majorité d'entre elles, à fixer l'azote de l'air grâce à une association avec une bactérie au niveau de leurs racines. Cette particularité fait des fabacées, un ensemble de plantes qui ont une importance écologique très importante, puisqu'elles enrichissent le sol, au-delà de simplement servir en fait, à apporter de l'azote dans l'alimentation de certains animaux. Cette propriété explique aussi l'importance des fabacées comme engrais vert et comme plantes qui servent à, avec de grands guillemets, améliorer les sols. Parmi les espèces communes de la famille des fabacées, on a le robinier pseudo-acacia, donc aussi appelé acacia. C'est une espèce d'arbre utilisée en ornement, mais aussi appréciée pour faire des piquets. Et son bois d'œuvre peut aussi être utilisé dans certaines pièces de marqueterie. C'est une espèce d'origine nord-américaine qu'on peut reconnaître par ses stipules épineuses, ici, à la base de feuilles composées, un paripennées, et également par ses fleurs blanches papillonnacées et en grappes, que l'on peut consommer en beignet. On a également le tréfleur en pan, aussi appelé Trifolium repens. Tu peux partager directement l'espèce que vous avez expliqué à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles. Dans le Discord. Comme les autres trèfles, mais aussi les luzernes, les feuilles sont composées non pas de trois feuilles, mais de trois folioles. La tige, dans le cas du trèfle rampant, est horizontale. Elle s'insère, enfin, elle rampe. Elle a tendance à s'enraciner en fait au nœud. Et on a des inflorescences caractéristiques avec des petites fleurs blanches rassemblées. Donc cette plante a été historiquement consommée par l'homme pour ses graines. Aujourd'hui, elle est surtout utilisée comme plante fourragère dans les prairies pour alimenter le bétail et enrichir la ration avec de l'azote. Yeah. Wow. Voilà, beaucoup d'infos quand même. C'était très très intéressant, très bien fait, j'ai trouvé. Ah bah le coup de la maquette, le coup de la maquette, ils nous ont tués là, c'est trop bon quoi. Ah c'est top hein. Excellent. Pour les personnes qui s'interrogeraient d'ailleurs, vous pouvez directement, si vous inscrivez sur le site de la formation, télécharger les vidéos, parce qu'évidemment là, en les regardant une fois, des fois, ça peut être beaucoup d'informations. Mmh. Vous pourrez télécharger les vidéos si vous vous inscrivez. Je vais vous remettre le lien pour le MOOC. N'hésitez pas, hein, évidemment, parce que c'est vrai que on peut oublier des choses. Il y a des résumés, des PDF aussi qui résument ce qui est dit dans les vidéos qui sont téléchargeables. Tout à fait, tout à fait. Alors, avant que nous fassions une petite pause traditionnelle de nos soirées sur Twitch, je vous propose qu'on fasse le jeu des familles qui était annoncé entre les deux vidéos. Yes, bah, on va le faire là. Oui. Il ne s'agit pas du quiz d'évaluation, puisque si vous nous rejoignez et que c'est la première fois que vous venez sur ces soirées autour des MOOC, sachez que cette soirée est composée de deux parties, puisque d'abord nous regardons ensemble la première séquence du MOOC Botanique 2 et ensuite nous faisons ensemble le quiz pour tester nos connaissances, voir ce qu'on a appris et faire jouer l'intelligence collective autour de... Tenter les 10 sur 10. Et ouais, on tente le jackpot. Donc du coup, il ne s'agit pas du quiz, mais pour l'instant, simplement d'un jeu pour retrouver les familles botaniques des espèces proposées. Attention, ces espèces n'ont pas forcément été abordées dans les vidéos précédentes, mais pas de panique, observez leurs caractéristiques morphologiques et vous pourrez déterminer à quelle famille elles appartiennent. Donc c'est un jeu de glisser-déposer. Il faut prendre les photos et les déposer. Il faut les déposer où ? Glisser et déposer l'image. Sur l'image, les noms de famille. Ah oui, d'accord, je vois comment ça fonctionne. Bah, je pense que le mieux. Okay. Faudrait, je sais pas si on peut grossir l'image. Je pense qu'on va dire le numéro et vous allez nous dire si ça correspond à chaque fois à Fabacée, Poacée ou Apiacée. Ah, d'accord. On va faire ça, okay. C'est plus simple. Par contre, à mon avis, il faut grossir l'image parce qu'ils ne vont pas voir grand-chose. Est-ce que comment je peux faire ça Attends, je regarde si on peut l'ouvrir. On ne peut pas l'ouvrir dans un nouvel onglet à l'image. Ah oui, c'est un jeu intégré. Donc tu zoomes directement sur la page web, je pense. Zoomer. J'essaye de zoomer, mais. À 150, moi j'arrive à. Ah oui, non, ça décale. 150. Attends, est-ce qu'il y a moyen. Enfin, tu décales sur OBS, par contre, à mon avis.
Voilà, là, c'est... Évidemment, c'est incorporé au site, donc c'est pas forcément super pratique. Il faudra nous dire si vous voyez ou pas correctement. Je sais pas si vous voyez bien là. Petite question à tous, savez-vous avec quelle plante est souvent confondu le robinet qui engendre beaucoup de cas d'intoxication ? Bonne question. Parce qu'il y a des gens dans le chat qui sauraient répondre. Chloé, je sais pas si ça te parle, quoi. Chloé, c'est une question, mais en fait, Chloé, elle connaît la réponse. Elle teste le chat et c'est Emilie Ancoli qui... on dit le cities ou la cities ? Je pensais qu'on disait la cities, moi je découvre que c'est masculin, grâce à Emilie Ancoli. C'est bien là, nous dit Auré. Okay, parfait, merci Auré. Ouais, ils n'ont pas précisé dans le chat, d'ailleurs, dans la vidéo, quand ils ont présenté le robinet faux acacia, pourtant sur une séquence autour de la thématique se nourrir, que c'est aussi une plante comestible, puisqu'on peut effectivement en consommer la fleur, notamment les fameux. Si, ils ont dit qu'on pouvait faire des beignets avec. Ah, j'ai pas entendu. Ok. Petits beignets. Ça me donne envie de faire des beignets avec des fleurs de. Ok. Comment ça s'appelle ? J'ai perdu le mot, ça y est. De courgettes. De courgettes. Ouais. Très très bon. Merci, ouais, j'avoue. Alors, donc, la question c'est fabacée, poacée ou apiacée ? Et on va donc partir avec la première fleur. La première photo de ce petit jeu de petit quiz. Alors comment ça marche, vous mettez dans le chat tout simplement le nom de la famille à côté du numéro, donc 1, vous mettez 1 égale par exemple Fabacé si vous pensez que c'est une Fabacé, ou bien Poacé si vous pensez que c'est une Poacé. Voilà, Axel au taquet est déjà, faites comme Axel, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il y a Auré qui me rappelle gentiment que je suis dans la team robinier. Mais il n'y a personne qui défend la team aubépine, du coup, c'est pas drôle. Est-ce que vous préférez qu'on vote les 6 photos ensemble ou est-ce qu'on fait photo par photo ? On peut les faire une par une, moi, si c'est une plus... Une par une ? Ok, alors on vote pour la photo. Je vais vous donner les noms aussi, ça peut aider. Donc la première, c'est Latyrus latifolius. Ouais. Latyrus latifolius. Est-ce que c'est une fabacée, une poacée ou une apiacée ? Il y a deux personnes qui ont donné des réponses. Ouais. N'hésitez pas à répondre, hein, évidemment. Vous êtes là aussi. Vous avez le droit de vous tromper, hein, évidemment. On est là pour apprendre. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il y aura une vérification après. Pas de stress. Pas de condamnation. Non. Ok. Fabacé, nous dit Céline aussi. Donc il y en a déjà 3 Fabacé, je crois. Ok. On parle là-dessus pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent, qui veulent voter là-dessus ? Allez, on va dire 1. Et comment ça fonctionne ? Ah oui, d'accord, il faut les Fabacé, poser directement. Je les pose dessus. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. J'essaie de le faire aussi de mon côté. Donc. Okay. Alors nous passons sur la deuxième photo. La deuxième photo qui est le Zéa maïs, donc le maïs, Zéa maïs que vous connaissez. N'hésitez Est-ce pas. Est-ce qu'il fait partie des fabacées, des poacées ou des apiacées ? Alors, que nous ont dit ils sont d'accord. Axel et Auré, Axel et Auré sont d'accord là-dessus. N'hésitez pas à répondre, évidemment. Céline nous dit poissé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres votes ? Béatrice nous dit poissé également. Bon, ça a l'air d'être assez... Ok. Alors on va mettre les poissé et Chloé nous précise que 1, Latyrus latifolius, c'est le pois de senteur. Fabacé, fleur super bonne, goût de petit pois. Merci de cette précision. Zop loves you, c'est aussi une poacée pour toi, la deuxième. Bon. 100% parfait. De poacée, donc on met ça. De... Annick aussi. Ouais. Petite Sarcelle demande, pois de senteur a des graines toxiques.
Alors, 3, on est sur. Je ne saurais pas répondre, mais Chloé va sûrement te répondre, du coup, qui Ouais, te harcèle. c'est ça. Funiculum vulgare. Donc, ça, c'est la troisième photo. Est-ce qu'à votre avis, c'est une fabacée, une poacée ou une apiacée? Il n'y a pas besoin, a priori, d'avoir des grandes connaissances en botanique, rien qu'avec les informations qu'on a eues. Oui, On non, peut c'est pas mal ce petit répondre. jeu, ça permet de directement se mettre On dans le peut bain. répondre, ouais. Funiculum vulgare. La troisième photo. Qu'est-ce que ça serait pour Les vous, critères sont bien votre visibles, je ami? trouve, en plus, là, sur les Fabacée, photos qu'ils ont mis. poacée ou apiacée? On reviendra peut-être Alors, dessus si c'est pas mis dans la vérifier après, mais. Axel nous dit, c'est le fenouil, si je ne me trompe pas. Syl nous propose apiacée, Annick nous propose apiacée. C'était aussi C'était le ce qui a été choix proposé avant, ouais, j'ai vu. proposé tout à l'heure par Axel et par Auré. Donc on va aller vers les apiacées. Repose-toi bien, Eh Amélie. ben salut, Oui, t'es sur bah, en ce Amélie. moment. Bah ouais. Amélie qui est sur le terrain en ce moment, effectivement, donc ouais, Travail de marche beaucoup. terrain intense. Bonne soirée. On passe sur la quatrième photo avec Docus Carota. À votre avis, est-ce que on a affaire à une fabacée, une poacée ou une apiacée? La 4, Docus Carota. Apiacé aussi, nous dit Céline. Qu'est-ce qui était arrivé avant? Syl aussi. Je crois que ça avait été dit la même chose avant. Oui. Effectivement, Auré, on est aussi Axel. sur une apiacée. Ok. Béatrice aussi, Annick, Voilà, il y Alex. a un... Il y a un Tout le monde est consensus d'accord. général pour désigner Docus Carota comme étant une apiacée. J'arrive C'est dur à lire là. pas à lire son nom. Voici Labernum Labernum anagyroïde, truc comme ça. Anagyroïdes, je sais pas si on prononce Oui, Labiros ou gyroïdes, pas. pardon. Est-ce que c'est une fabacée, une poacée ou une apiacée, selon vous? C'est pareil, il y a des caractéristiques morphologiques qui sont assez claires. Qui sont assez claires. Faites vos jeux. Lancez-vous dans le chat. Été dit S'il nous fabassé propose au-dessus, je crois. Ouais. Fabacé pour Syl, Fabacé pour Béatrice. Ok. Ok. Fabacé pour tout le monde. Alex aussi. Annick aussi. On passe sur la dernière qui est Oryza Sativa. Est-ce que sur la photo 6, selon vous, c'est une fabacée, une poacée ou une apiacée qui est proposée? Voilà, c'est pareil, on a vraiment des caractéristiques morphologiques. On a une réponse de Chloé sur le poids de senteur. Graines toxiques si ingestion chronique des graines, par exemple lors des famines. Symptômes, troubles neurologiques, indigestion accidentelle de quelques graines. Ah oui, l'ingestion accidentelle de quelques graines est sans conséquence. Source, centre antipoison. Donc a priori assez Il faut quand même faire attention, mais... assez fiable. Donc Ok. Poissé, poissé, poissé. Bon, bah, pas trop de doute, apparemment. ok. Alors on vérifie. Ça vous va? Tout le monde est d'accord avec ça? Allez, on va vérifier. Et bravo, c'est un 6 sur 6 sur 6. 6. Bravo, Magnifique. bravo. Alors, est-ce que des personnes ont... On peuvent nous expliquer un petit peu les critères potentiellement si vous les avez. Parce que c'est effectivement, on a eu raison, mais est-ce que vous avez des critères particuliers qui vous ont permis de, bah, de trouver ça? Je vais attendre un peu. Apiacée ombelle, effectivement. On le voit bien sur les deux plantes.
la 3 et la 4. Donc ça fait partie des critères, hein, c'est pas les seuls. Mais c'est, bah, en tout cas, sur les images qu'on a, là, c'est le critère qui est le plus visible. La forme de la fleur nous dit Cille aussi. Fabacée, fleur en papillon. Oui, on a une grande pétale qui forme un voile derrière et qui domine un petit peu l'apparence de la fleur. Tout à fait. On va revenir dessus, je crois, dans les ressources complémentaires, justement, sur les différentes formes de fleurs. Et le port... C'était la maquette, oui, c'était un indice aussi. Ouais. Et le port élancé, voilà, et des pots assez avec une tige assez longue. Des grands limbes. Voilà, et puis des feuilles alternes, là, on voit très bien sur le maïs. On voit un petit peu moins ici sur Oryza sativa, mais on reconnaît quand même le côté très élancé et puis qui finit avec un épi. Voilà, assez classique. Et il y a le port aussi, effectivement, un peu tombant, qui peut aider aussi. C'est ça. Oh, vous avez quand même retenu des choses, c'est bien. C'est cool, ça fait plaisir. Bravo. Super. Eh ben, on arrive tout doucement à la deuxième partie de cette famille, de ce chapitre sur les familles. Sur les trois familles. Et ce que je vous propose, c'est qu'on prenne, on prenne un petit moment de pause. Qu'est-ce qui serait OK pour toi, Oham? On peut prendre 5 minutes. Ouais. Il nous reste 2 vidéos, je crois. Et puis après, il y aura le quiz. Yes. Donc, on prend 5 minutes de pause, histoire de se dégourdir un peu les jambes, de faire chauffer une tisane si vous le souhaitez. Et puis, on se retrouve... dans quelques minutes, dans 5 minutes, pour la suite de cette première soirée autour du MOOC Botanique 2, consacrée à la thématique des plantes et de leurs usages. À tout de suite. À tout de suite.
dead to me. R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사자 해라 미리. Dead to me. R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리. 왜 이래요? 잘못 오셨네요. 상관없는 자에게는 묻지 마세요. 손 깨끗이 씻고 and I live to tell the tale. 못이 바뀌게 얘기했지만 coffin and a nail. Buried so deep in your excrete. 누굴 탓해? 다 네가 한 짓. I've been mute, mute. I've been discreet. 얼마나 사람 다 알아. 시끌벅적 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 동네 시끄럽네요. 시끌벅적 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 반한 사람 많네요. Come on come on come on come on hit you and run. They coming 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 for your ransom. 나 어째 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 call you lawyer. 못 막아 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 can't do nothing for ya. I said come on come on come on come on hit you and run. They coming 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 for your ransom. 나 어째 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 call you lawyer. Dead to me, R.I.P. buried. Angry mob coming for your pitchforks ready. Dead to me, with no Hail Marys. 이미 뜯겨 버림 없는 no casket necessary. 무리들이 몰려온다 사죄해라 미리. 무릎 꿇고 고개 숙여 파상해라 피리. 거짓말에 말려버려 왜곡된 사실이. 고삐 풀린 말이 되면 너는 내게 시신. 어떡해요 다 걸려버렸네요. 요즘이 어떤 시대인데 그런 짓을 해요. 막나니처럼 막 나갈 때 언제고 글쎄요. 이제와 후회해봐도 달라질 건 없네요. Buried so deep in your excrete. 누굴 탓해 다 네가 한 짓. I've been mute mute. I've been discreet. 얼마나 사람 다 알아 not in these streets. 시끌벅적 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 동네 시끄럽네요. 시끌벅적 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 반한 사람 많네요. Come on, come on, come on, come on, hit you and run. They coming, 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 coming for your ransom. 나 어째, 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 어째 call you lawyer. 못 막아, 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 can't do nothing for ya. I said come on, come on, come on, come on, hit you and run. Et toc toc toc, oui c'est une pause, Gigilou. On revient tout de suite. C'est le cas. Là. Ça y est, on est de retour. J'espère que vous nous entendez toujours bien, que ça fonctionne bien du côté de la technique. Je vais baisser un petit peu le volume de la musique. Et puis voilà, on est ensemble pour cette première soirée autour du MOOC Botanique 2. Avec Ohamgi, voilà, on prend. Tiens, j'en profite. Vas-y. Pour mettre ma commande. Les gens ne me connaissent pas. Papala, papam. Et voilà la commande d'Ohamgi qui vient d'arriver dans le chat. N'hésitez pas à suivre sa chaîne, à le suivre éventuellement sur Twitter, sur Mastodon. Vous aimez la nature et l'écologie. N'hésitez pas. Voilà, tu n'as rien raté. La faune, d'ailleurs, principalement. Yes. Ouais, c'est quoi ton programme d'ailleurs des prochains lives? Tous les lundis, y a des choses qui reviennent régulièrement sur ma chaîne. Tous les lundis, on a un programme sur plus centré sur les oiseaux. Ça peut être aussi sur d'autres animaux, mais on a toute une série actuellement d'apprentissage sur les oiseaux. Et je ferai un live spécial lundi prochain sur les oiseaux qu'on peut trouver dans les jardins. Puisqu'il y a le comptage national des oiseaux de jardin qui arrive le dernier week-end de mai. Okay. On fera un focus et on regardera justement quel est le protocole. Tout le monde peut le faire, c'est pas très très compliqué, mais il faut avoir quand même quelques bases et puis savoir sur quel site rentrer tout ça. Excellent. Donc, si vous aimez les oiseaux et que vous avez envie d'aider un petit peu les scientifiques à apprendre des choses, n'hésitez pas, c'est très très cool. On l'a fait... On a fait deux, trois fois déjà, je crois, un petit peu ce suivi ensemble. Donc ouais, c'est assez simple et c'est très sympa. Et puis sinon, tous les mardis, on parle de l'actualité. Yes. De façon régulière. Et puis après, il y a des lives spéciales en cours de préparation, mais je ne dirai pas plus pour l'instant. Il y a des choses qui arrivent avec des collabs. Trop bien, excellent. Excellent, excellent. N'hésitez pas à aller, notamment habituellement, le mardi matin, on live en parallèle et souvent on parle d'actualité. Et il se trouve que ce mardi, donc hier et mardi prochain, je ne peux pas être en live puisque je suis en train d'animer la formation PERMA aux alvéoles. Donc n'hésitez pas, ceux qui me suivent, à aller profiter de...
de cette matinée sur la chaîne de Doham pour commenter l'actualité. Et en ce moment, il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité. Oui, bah là, on pourrait faire un live tous les jours. Hein. C'est ultra, ultra dense en ce moment, l'actualité de l'écologie. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur beaucoup de sujets, notamment les sujets des pesticides en ce moment. Donc, ouais. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà. Merci, Aurélien Psittacide, pour ton follow sur la chaîne. Sur l'eau aussi. Il y a plein de trucs. Voilà. Bah, l'eau, de toute façon, ouais, l'eau, ouais. On pourrait faire des lives sur l'eau un peu en permanence. Mais on a tendance à s'énerver ensemble. Ah, bah, l'actualité, des fois, effectivement, ça peut être un peu... Mais on parle de plantes. On réfléchit ensemble. On parle de plantes. Je ramène du coup le sujet de ce soir. Oui. Revenons au sujet du jour. On parle de famille botanique. On a vu la première partie. On a fait un petit quiz que nous avons remporté haut la main. 6 sur 6. Bravo. Donc du coup, on va enchaîner. On va regarder la deuxième partie ensemble de ce chapitre sur les familles avant une dernière vidéo ensuite où on partira en voyage ensemble et ensuite on fera le quiz de cette première séquence. C'est parti. Wow. Les apiacées, encore appelées ombellifères, sont une vaste famille de plus de 4000 espèces et l'on en découvre de nouvelles toutes les années. Alors, quelques explications sur les termes. Les apiacées, ça vient du fait que la plante modèle de cette famille végétale, c'est le céleri, Apium graveolens. Par contre, moi je préfère le terme plus poétique et plus juste des ombellifères, c'est-à-dire que c'est une des plantes qui porte des ombelles. Alors qu'est-ce qu'une ombelle? C'est un ensemble de fleurs qui est à peu près au même niveau, de façon circulaire, et tous les pédoncules viennent du même point. Alors ça ressemble à s'y méprendre à un parapluie, ou mieux à une ombrelle, et donc les ombellifères sont des plantes à fleurs en ombrelle. Ces ombelles sont très visibles de loin souvent, pourquoi? Parce que les fleurs sont de couleur vive, blanche, jaune, rose parfois, et elles sont visibles de loin et attractives. On parle d'attractivité visuelle. Mais chez les ombellifères, il y a une deuxième attractivité, c'est l'attractivité olfactive. Ces ombelles parfument l'environnement avec des odeurs mielées et beaucoup plus complexes, et à nouveau attirent d'autres insectes. Donc c'est une famille passionnante déjà avec cette double attractivité. Alors, les ombellifères ont des feuilles aussi, pas seulement des fleurs, des feuilles qui sont divisées en lobes larges et toujours divisées, ou alors en lobes très très étroits, très finement divisées. Très rapidement, les fruits sont très simples, sont ovales, et à terme, quand ils sont secs, en deux parties, ils se divisent pour donner deux graines qui vont être disséminées, certaines par le vent parce qu'elles sont pourvues d'ailes, et d'autres avec des crochets par les animaux ou même les chaussettes des botanistes. Ça peut arriver. Alors la famille des ombellifères, elle se rencontre sur toute la planète, hein, c'est-à-dire les lieux tempérés froids principalement, mais également toute la zone méditerranéenne et qui se poursuit sur les steppes de l'Asie. Donc là, il y a beaucoup de plantes que l'on peut aller étudier dans tous ces secteurs. Au niveau des altitudes, ben c'est toutes les altitudes, du bord de la mer jusqu'aux plus hautes montagnes, au-delà, au-dessus des prairies, il y a encore des ombellifères. Alors c'est une famille qui en fait est bien connue de l'homme et des personnes pour une raison, c'est les multiples usages qu'on en a fait. Alors quelques exemples, des plantes alimentaires. Ben, la carotte est la plus connue et la plus cultivée. Mais il ne faut pas oublier le panais, il ne faut pas oublier le fenouil et bien sûr le céleri que j'ai déjà cité. Il y a aussi beaucoup d'herbes condimentaires, la plus connue le persil, mais le cerfeuil et également l'aneth peuvent servir comme ça de condiment. Sans oublier les épices qui sont très nombreuses, j'en citerai que trois. La coriandre, très utilisée et qu'on vient de démontrer qu'elle est très bonne pour les problèmes cardiaques. Bon voilà, donc il y a d'autres applications, mais également le carvi, le cumin.
Et j'ai déjà abordé aussi la plage médicinale de toutes les ombellifères, qui est vraiment très développée parce qu'elles ont un arsenal chimique dans leur biologie qui leur permet de résister dans leur environnement. Et toutes ces molécules seraient vraiment très applicables et de façon utile. Donc, plantes médicinales et aussi plantes qui ont des insecticides naturels, qui ont des bactéricides, des antiviraux naturels, des antigerminatifs. Et toutes ces molécules, elles sont biodégradables. Elles ne posent pas de problème dans leur futur. Et ça, c'est quand même de très grands avantages. Et puis, il y a aussi les répulsifs pour insectes. Alors, l'ombellifère, elle repousse l'insecte sans l'éliminer. Ça, c'est très intéressant, parce que nous sommes dans une époque où on se préoccupe de la conservation de la biodiversité, globalement. Alors, on aurait des molécules utilisables par l'homme parce qu'il les a consommées depuis des siècles. Ensuite, elles sont biodégradables et elles ne détruisent pas le reste de la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Donc, les ombellifères, c'est une famille qui est très passionnante. Si jamais vous succombez à leur attractivité, je dirais à leur charme, réjouissez-vous plutôt que vous inquiétez. Effectivement, il est... Je suis d'accord. Il a l'air passionné. Il relève la grande berce. La grande berce se voit le long des chemins, dans les lisières forestières, est très commune. Elle atteint presque 2 mètres de haut, avec de très grandes ombelles blanches, bien attractives. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les pétales de la périphérie sont fendus en deux, comme des flèches, une sorte de signalétique pour les insectes. L'atterrissage, c'est là, hein. Pas ailleurs, c'est ici. Voilà. Et puis, malheureusement, attention, si elles ont beaucoup de molécules, certaines sont quand même très toxiques. La plus connue, c'est la grande ciguë, qu'on appelle Conium maculatum, et qui a tué Socrate. Hein, et il faut faire très attention, elle a des ombelles blanches, des feuilles très fines, c'est une plante très élancée. Mais heureusement, on la reconnaît à un point, c'est que la tige est mouchetée, tachetée de taches pourpres, de rouge foncé et autres. Quand vous voyez une ombellifère comme ça, avec une tige tachée de pourpre, vous l'évitez, absolument. Une deuxième, je tiens à en parler, c'est l'œnante safranée. Pourquoi safran ? C'est quand on coupe la tige ou les rameaux, ils s'exsudent, ils perlent une sorte de lait jaune vif. Et ça, c'est unique. Et quand vous voyez ça, vous évitez d'utiliser la plante. Et la dernière que je voulais mentionner, c'est le fenouil, utilisé par l'homme depuis plus de 4000 ans, avec de nombreuses applications, originaire d'Afrique du Nord, il semble, et qui produit de très belles ombelles jaunes vives, très attractives, très solaires. Et donc c'est une plante qui est tout à fait remarquable et plaisante à étudier. Dans cette vidéo, nous avons vu que les Fabacées et les Poacées étaient les deux principales familles pour l'alimentation, et non seulement l'alimentation humaine, mais également l'alimentation des animaux domestiques, en particulier du fait de leur complémentarité entre protéines d'un côté et, on va dire, amidon de l'autre côté. Cette combinaison se retrouve dans un très grand nombre de plats sur toute la planète et dans toutes les cultures. Ces deux familles sont également des ressources essentielles pour l'élevage des animaux. Autre point à garder en mémoire, les graminées ou poacées sont un ensemble de plantes qui sont dominantes dans un certain nombre d'écosystèmes, comme les prairies. Elles sont reconnaissables au-delà de la forme des feuilles très linéaires par leur inflorescence avec des épis dépillés. Il est aussi notable que les fleurs de ces poacées sont très peu colorées, au point qu'on ait l'impression qu'elles n'en ont pas. Pour ce qui est des légumineuses, elles sont caractérisées par un fruit qu'on appelle gousse ou légume, et un sous-ensemble assez important des légumineuses ont des fleurs papillonacées, ce qui constitue la sous-famille des faboïdées ou papillonoïdées. Ces fabacées ont également des feuilles composées, il y a des stipules aussi, et peuvent avoir des vrilles au niveau des feuilles. Enfin, les ombellifères ou apiacées sont caractérisées par leur inflorescence en ombelles d'ombellules qui permet de les remarquer de très loin. Elles ont également des feuilles nettement découpées et des fruits qui ont une morphologie très particulière, ayant tendance à se diviser en deux à maturité. Voilà, j'ai vu que tu avais mis une question, ça m'a répondu. Non, la grande berce, tu peux la consommer, il y a plein d'usages d'ailleurs. Effectivement. Non, c'est la berce du Caucase qui est toxique en plus. Toxique et envahissante. Bah, beaucoup d'infos encore très cool.
Oui, et envahissante. Yes, ouais, carrément, carrément. Effectivement, vous avez repéré, il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont repéré que c'est vrai que la tonalité, l'élan, l'envie, la passion, etc., ça joue beaucoup hein, dans la façon de transmettre et de nous donner envie de plonger dans les contenus qui sont proposés par les différents intervenants. Et c'est vrai que c'est assez varié selon, on le sent, hein, selon les intervenants. Il y en a qui sont peut-être plus ou moins à l'aise aussi devant une caméra. Oui, je pense, ouais, ça, c'est ça, à mon avis. Donc ça joue forcément. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins passionnés, mais peut-être ils arrivent moins à transmettre cette passion dans des vidéos Bah oui, il y a toujours un petit enregistrées. stress quand on a une caméra pointée sur nous. C'est ça. Et je vois tout à fait de quoi je compatis pleinement moi-même ayant essayé à différentes reprises de faire des formations en ligne et des cours en ligne. Je vois bien comment c'est difficile de se mettre dans une boîte et de filmer ces choses. Mais bon, voilà. Berce du coca, j'en ai dans mon verger. Ça fait 2 ans qu'on tente de s'en débarrasser, nous dit Ah JJ. oui, c'est un enfer, hein. Vraiment. Effectivement, effectivement. Ça va, vous êtes chaud pour la dernière vidéo de cette séquence? On va aller Voilà, on a les ressources. explorer tout doucement un peu les ressources qui nous sont proposées tout simplement. Ah oui, t'es revenu au truc. Où est-ce que je suis? Ah non, je suis au sommaire là. C'est ressources complémentaires vidéo 3. Voilà, paf. Donc nous avons une symétrie florale, actinomorphie et zygomorphie, toujours des illustrations de Sophie Nadeau qui font partie des contenus qui étaient présents dans le premier MOOC. Actinomorphie, on est sur une symétrie qui est radiaire, d'accord? Donc voilà, là on voit avec 6 pétales par exemple. Cette symétrie, alors que sur la zygomorphie, je crois qu'il manque un R hein, ici, c'est actinomorphie. Voilà, et symétrie ici, on a zygomorphie, on est sur une symétrie, voilà, vraiment le côté miroir, hein, une symétrie beaucoup plus simple. Et donc, on retrouve là notamment les fameuses corolles des papillonacées qui font penser, on pense immédiatement à cette. À Il y ce a, type de juste en fleurs. dessous, il y a un schéma justement sur le Voilà. papillonacé, si tu dis ça. Avec la fameuse maquette qu'on a vue tout à l'heure, l'étendard, les ailes, les carènes et le sépale. Voilà. N'hésite pas à partager. Je vois que tu partages Ouais, je fais. dans le lien. Après, on retrouve justement Il y a une faute de ce qu'ils nous frappe, on est avaient montré d'accord, dans la hein, vidéo. petite sarcelle. Il y avait une petite faute. Ouais, il y a des petites chutes. On sait pas. Y a Zen qui troll sur la Vas-y. caméra. Et il y a Chloé qui nous dit il parle de la berce sphondyle, Héracléum sphondylium. La berce du Caucase, c'est Héracléum mantagasianum, bien plus grande et envahissante. Son problème, c'est surtout qu'elle provoque des brûlures. Voilà. Donc ça, c'était pour les petites précisions sur la berce du Caucase. Tu disais du coup, excuse-moi, j'ai Ah non, interrompu. bah j'attendais que tu descendes. J'étais en Yes, train de pardon. parler, mais tu n'es pas encore descendu Pardon. sur le retour. Oui, sur les. Là, on a des dessins de panicules d'épillets et des épis. Donc c'est des trucs qu'on a vus dans la vidéo. Oui, et après ils viennent sur les fleurs, justement, les différences de fleurs entre chaque groupe. Les ombelles d'ombellules chez les apiacées. Tout ça, je vous ai mis ça dans le chat. Vous pouvez directement les récupérer si vous n'êtes pas inscrit. Voilà. Sinon, c'est Et accessible. il y a des fiches par famille. Je ne vais pas tout visiter, mais il y a des fiches pour chaque famille. Ouais, les filles sont très bien faites aussi. Avec une N'hésitez pas à les fiche récupérer. critères d'identification des familles. Top. Tu peux en montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais. Elles sont très très bien faites. Hein. J'ai regardé un peu. Ça permet d'avoir les critères principaux quoi, pour vous différencier les 3 familles là. Et puis après, dans les fiches, à chaque fois, il y a différentes espèces qui sont présentées pour chaque famille. Yes. Top. Oula, pardon. J'ai mon.
Activité de terrain proposée dans le cadre de cette première séquence. Temps estimé 1 heure, en extérieur de préférence, avec un carnet du botaniste, un crayon, un appareil photo. Objectif, se familiariser avec les caractéristiques des familles abordées dans cette séquence à travers l'observation et le dessin. Quelque chose qu'on fait parfois dans les formations de permaculture, pas toujours, mais qui est vraiment un exercice qui est très puissant quand on veut vraiment mémoriser et se familiariser avec les plantes. Et puis s'imprégner de l'environnement où pousser plantes, si c'est des plantes en milieu naturel, ça peut être cool, quoi. Tout à fait. Étape 1, postez un message dans le forum des rencontres si vous souhaitez faire les activités de terrain à plusieurs, car nous vous proposons de partir en balade. Mais avant de partir en balade, saurez-vous trouver les réponses à ces charades? Ah, on a le droit à des charades, les amis. Donc, soyez attentifs et attentives, puisque vous allez pouvoir répondre dans le chat. 1. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième est le contraire de « haut ». Mon troisième est le singulier de « ce son ». C'est très très dur. Est une famille botanique. C'est à la fois enfantin et effectivement très mignon. Je suis d'accord. Bien joué, Auré. C'est Auré qui a dégainé la première. Attention, soyez plus rapide qu'Auré sur la deuxième. 2. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième a la réputation de voler les bijoux. Mon troisième est une interjection qui exprime l'étonnement ou la joie. Mon quatrième est la première syllabe du mot scellé. Mon tout est une famille botanique. Ah ça y est, ils sont tous partis à donner les réponses. Alors du coup, j'embraye sur le 3. Mon premier est utilisé pour cultiver des plantes, surtout lorsqu'on n'a pas de jardin. Mon deuxième est la carte qui a le plus de valeur à la bataille. Mon troisième, trésor de la biodiversité, permet de délimiter un espace. Mon tout est une famille botanique. Ils ont mis quoi pour le dernier? Troisième est trésor de la biodiversité. Pou, as, i, ah, haie. Oh la vache. Ok. Une haie, H-A-I-E, ouais, c'est ça. C'est celle qui donne les noms alternatifs. Ouais, elle essaye. Ça commence à troller, là. On sent qu'il y a de la fatigue. Vous avez envie de rester éveillé pour la suite. Donc, il y a différentes étapes. Hein. Tu vas peut-être pas toutes les faire. Mais... Non, étape 2, partez à la recherche d'une espèce qui appartient à une des familles de cette séquence. Étape 3, prenez une photo de l'espèce. Conseil photo, photographier une plante. Oh là là. Étape 4, à vos carnets, faites un dessin légendé pour illustrer les différentes parties de la plante ainsi que ses caractéristiques morphologiques justifiant le choix de la famille. Donnez aussi le nom de l'espèce si vous la connaissez. Voici un exemple. Donc là, on a un exemple d'une fabacée qui a été donc magnifiquement dessinée et même, voilà, ils l'ont même mis sur la photo. Ah oui, c'est stylé, j'avais pas vu ça. C'est pas mal. C'est canon quand même. C'est la coronie. Ils ont mis des feuilles et des fiches exprès. C'est la coronie glauque, cool, que l'on trouve à foison sur les terrains de la pépinière des alvéoles. On a beaucoup de coronie glauque chez nous. Voilà. Ah oui, il y a une fiche aussi pour bien prendre en photo au-dessus. C'est pas mal. Ouais. Ah, faudrait que je les récupère, ça. Je les ai pas récupérés. Voilà, voilà. Donc ensuite, il y a le forum. Je vais passer très très vite parce que évidemment, il y a plein de gens qui ont commencé qui ont déjà à répondre. Et nous allons nous diriger tout droit vers la dernière vidéo de cette première séquence. Ça va pour toi? Ouais, alors attends, je regarde ce qu'a mis Petit Arcel. Les activités du MOOC sont vraiment intéressantes. Pendant le premier MOOC, j'ai observé un peu les plantes autour de chez moi, donc en ville, sur les trottoirs, etc. Là où je regardais jamais, ça m'a obligé à découvrir plein de trucs. Effectivement, il y a plein de plantes en ville, on s'en rend pas forcément compte. Merci. Et il y a même des gens qui écrivent à la craie des fois les noms, etc. De ces plantes. Il y a un truc participatif, je ne sais plus le nom, qui permet de faire ça. Une recherche. J'essaie de vous retrouver ça. Une recherche participative ? C'est lié aux plantes justement qui sont dans les rues. Je n'ai plus le nom, alors attendez, je vais trouver. Sauvage de ma rue, merci Petite Sarcelle, ça sortait de ma tête, c'est ça. Donc si vous appelez Sauvage de ma rue, je peux le faire. Ouais, je peux partager le lien. Je vais lancer la dernière vidéo. Ouais, vas-y. Vous pourrez participer à ça. Et c'est organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle.
Hop. Vas-y, tu peux lancer si tu veux. Ah. Alors. On part au Liban. Trop bien. Ah. Waouh. Le Liban représente un excellent exemple de milliers d'années d'interaction entre l'homme et son environnement. Depuis 12 000 ans, dans cette région du monde, que nous appelons le croissant fertile, et dont le Liban fait partie, l'homme a domestiqué certaines plantes et animaux présents à l'état naturel. Les premiers humains installés sur ces terres ont dû construire des terrasses pour pouvoir cultiver leurs plantes. Le terrassement est une nécessité absolue, là où les pentes sont raides et les précipitations abondantes. Le paysage rural traditionnel est le produit du cadre géographique et des processus naturels et anthropologiques qui l'ont sculpté. C'est une mosaïque riche et diversifiée, d'îlots boisés, de maquis dégradés, de terrasses d'oliviers et de vignes et de cultures maraîchères. Le paysage rural est typiquement une combinaison d'écosystèmes naturels et culturels, combinant des usages agricoles, sylvicoles et pastoraux. Au fil des siècles, les agriculteurs locaux ont développé des stratégies adaptées au manque d'eau en période estivale et à la neige en hiver. Ces terrasses ont vu se succéder des plantations de graminées, mais aussi de figuiers, de mûriers et de vignes. Ils ont contribué à la prospérité de la montagne libanaise. S'ajouteront à cela des pommes, des poires, des prunes et des cerisiers. Ces fruits à feuillage caduc ont besoin d'un climat relativement frais et d'une certaine irrigation estivale, et très peu de régions au Moyen-Orient en dehors du Liban peuvent offrir ces avantages. Les terres en terrasse sont bien adaptées aux arbres fruitiers. La cuisine libanaise est connue internationalement. La variété qu'on trouve sur nos tables n'est que le reflet direct de la diversité des ressources génétiques présentes au Liban. Avez-vous déjà goûté à nos manouches, ces pizzas à l'origan ? Dans ce mix magique, on trouve les fleurs de l'origan endémiques de l'est de la Méditerranée, Origanum syriacum. L'origan appartient à la famille des Lamiacées. C'est la même famille que la menthe, le basilic et la sauge. La recette est facile. Il faut cueillir les fleurs et les feuilles, les sécher, et il faut leur ajouter des baies du sumac, le Rhus coraria, qui appartient lui à la famille des Anacardiacées. Ensuite, il faut ajouter des graines de sésame, le Sesamum indicum, qui est une plante annuelle de la famille des Pédaliacées. Il ne faut pas oublier l'huile d'olive. Il existe de nombreuses recettes avec comme ingrédients de base des espèces sauvages, cueillies dans la nature au gré des saisons. Mais le génie humain se révèle dans la domestication des plantes, desquelles dépend aujourd'hui la sécurité alimentaire mondiale. Le Liban est l'une des régions du monde où de nombreuses plantes sauvages, apparentées aux plantes cultivées, existent encore dans la nature. Ces espèces sauvages possèdent une multitude de gènes d'une grande valeur potentielle pour l'amélioration génétique des plantes que des millions de personnes consomment chaque jour. Des études récentes ont démontré que le Liban est un important centre de diversité des lentilles sauvages. Les lentilles appartiennent à la famille des fabacées ou légumineuses. Ce sont les plus anciennes légumineuses cultivées au monde. Les lentilles sont un aliment de base dans le monde entier, de l'Inde jusqu'au Moyen-Orient en passant par l'Europe et les Amériques. Riches en fibres et en protéines, les lentilles cuisent beaucoup plus rapidement que les haricots secs et n'ont pas besoin d'être trempées avant la cuisson, en raison de leur petite taille. Le pois chiche est une autre légumineuse vedette au Liban. Les graines sont consommées vertes ou matures. Le pois chiche est à la base du fameux hummus, un plat de consistance dans lequel les pois chiches moulus sont mélangés à la crème de sésame. Un peu moins célèbre, mais tout aussi intéressant, le lupin. Les graines de lupin sauvage sont extrêmement amères et toxiques à haute dose. Il faut les tremper avant de les consommer. Elles se dégustent à l'apéritif et ont plusieurs vertus, dépourvues de gluten, très riches en protéines, en minéraux et en fibres. Le lupin est un bon allié pour garder la ligne. Les légumineuses sont polyvalentes et sont couramment utilisées en culture tournante, parce qu'elles enrichissent le sol en azote. Plusieurs espèces de graminées, la famille des Poacées, sont aussi originaires du Liban. Le Liban est un centre de domestication de grandes cultures telles que le blé, l'orge, l'avoine et le seigle. Ces céréales y sont cultivées depuis des millénaires. De nombreuses variétés locales sont utilisées dans différentes régions du Liban. La plupart des sous-produits traditionnels, à savoir le bourgol ou le blé concassé qu'on utilise pour le taboulé, ou le keshek, un blé concassé fermenté dans du yaourt, mais aussi il y a la farine pour le pain traditionnel au sage. Ce sont des produits à partir de ces variétés locales. Dans cette vidéo, nous avons fait la connaissance de trois familles
qui sont utilisés énormément dans la cuisine libanaise. La famille des Fabacées, la famille des Lamiacées et la famille des Pouacées. Je sais pas vous, mais ça m'a donné faim. Ça m'a donné envie de voyager aussi, moi. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des trucs libanais en plus. Hein. C'est vrai que leur cuisine, vraiment, c'est, enfin, quand elle disait que c'est reconnu internationalement, je suis d'accord. Hein, c'est... Zed, la dalle. Elle est en position de force, elle peut troller le chat, vu que de toute façon, c'est la seule modératrice vraiment régulière de la chaîne. Elle est au-dessus de toutes les lois. Même les lois du mauvais goût en matière d'humour. Super, eh ben merci. Oui, les lentilles, voilà. On n'a pas relevé. Chouette, super. Et ben voilà, on est arrivé au bout de cette première séquence autour du MOOC Botanique 2. On espère que ça vous a donné envie de le suivre avec nous pour les prochains mercredis. On va enchaîner évidemment avec le quiz. Mais du coup, voilà, c'est j'espère que vous avez bien retenu les choses. Yes. Et bienvenue, Natou Narui. Yeah, bienvenue à toi. Exactement, quand la modo troll effrontément et abuse de son statut, j'aurais pas mieux dit. Allez, quiz, il y a Alex qui réclame. Et ben, on va s'installer tranquillement pour le quiz. On va regarder d'abord les ressources complémentaires de la vidéo 4. J'ai pas forcément les mettre parce que c'est des vidéos et des audios. D'accord, le podcast, le Grand Mezzé, une exposition jusqu'au 6 mai 2024 à Marseille. Ça va intéresser Elo, par exemple, qui est pas très loin de Marseille. Les gestes de transformation du blé. Et un podcast Saveur libanaise sur France Culture d'une durée de 29 minutes. Ouais, on va pas avoir encore faim. Allez-y. On va pas se lancer. Voilà. Du coup, voilà, on va avancer. Ressources facultatives, séquence 1 pour aller plus loin. Il y a des fiches espèces, il y a des articles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de ressources. Là, il y a vraiment beaucoup de ressources. D'articles sur. On va pas tout mettre dans le chat là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Des articles de Garance Voyageuse notamment. Bouquins qui sont recommandés aussi. Des livres sur les graminées, la domestication des plantes aux éditions Actes Sud. Ah oui, Daniel Zohari. Je vais vous publier la liste des livres quand même, chat. Ouais, vraiment, il y a des belles. Et les écologistes de Lezières, effectivement, les salades sauvages, guide de cueillette. C'est vraiment vraiment chouette. Et un document clé des prairies. C'est un document PDF, peut-être qu'on peut, on peut peut-être le partager. Qui est pas très grand, qui fait que 21 pages en plus, donc c'est un truc du muséum. Ils font des choses très bien, d'ailleurs, le muséum, je vous recommande leur truc en accès libre. Oh là là, il y en a pour des semaines là. Des vidéos, Histoire des plantes alimentaires de Michel Chaudet, Histoire de la domestication des végétaux de Michel Chaudet, La grande histoire de l'amélioration des plantes de Serge Hamon, Approche génétique et génomique de la domestication des céréales de Yves Vigouroux, La domestication à mutualisme homme-végétaux de Marc-André Sellos, Les plantes alimentaires en France au fil de l'histoire de Véronique Zec-Materne. Il y a de quoi passer encore pas mal de soirées à découvrir des choses sur les plantes. En tout cas, c'est une super base de ressources, c'est juste incroyable. Je vous remets le lien pour accéder au MOOC dans le chat en passage. Il y a Zen qui a des réflexes. Ce serait pas inscrit encore. Pavlovien, quand on parle de Marc-André Sellos, ça y est, c'est. j'ai failli dire quelque chose, mais je n'ai rien dit. Elle s'acharne sur son clavier. Super, trop bien. Eh ben, c'est génial. Il est plus épinglé chez moi, Zen. Tu peux le réépingler si tu veux. Si tu peux, c'est cool. Il y avait peut-être une limite de temps, du coup. Et des sites internet, le site botarella.fr avec une clé de détermination en ligne des Poacées. Ouais, c'est le costard, je peux pas me résoudre à animer une chaîne Twitch en costard, c'est pas possible, ça n'a jamais été fait et je pense que
Moi, je peux pas me résoudre à être en costard court, je pense. Twitch, je pense que Twitch va me ban direct de la Vous êtes trop plateforme. Sérieux, c'est pas possible. De la plateforme, t'imagines. Il y a 3 ans, il y avait que des jeux vidéo, et là, d'un coup, il y a des gens en costard qui arrivent pour animer des chaînes, c'est pas possible. Ah, ça a bien évolué hein, depuis 3 ans. C'est un choc culturel, choc culturel de ouf, c'est pas possible. Ils pourront pas supporter ça, quoi. On va se faire troller par tous les gens qui... On monte le standard. Il y a beaucoup de choses maintenant sur Twitch, hein, les gens qui connaissent pas la plateforme. Ouais, n'hésitez pas à aller voir. Avec OAM, on fait partie d'un collectif d'ailleurs. Ah oui, on n'en avait pas parlé. De vulgarisateurs scientifiques. Qui s'appelle POG Science. Il y a une commande d'ailleurs, POG. Ah bah ça y est, tu l'as envoyé déjà. Double commande. S'il y a des politiques, mais ils viennent pas en costard quand ils viennent sur Twitch, il y en a qui ont été déjà invités par Jean Massier ou par, ou par des gens un peu. Lui-même, il y a beaucoup de gens qui décryptent la politique par contre, ça vous pourrez en trouver pas mal. Ouais. Et l'actualité aussi. C'est ça. Mais du coup, POG. Qu'est-ce que tu pourrais parler ou... Ouais, vas-y. Ouais, du coup, POG Science, qui est un collectif de vulgarisateurs, vulgarisatrices, mais c'est pas que des sciences dures ou des sciences liées à la biologie. Hein. Nous, on est plus du côté, effectivement, écologie-nature, mais vous avez des gens qui vont parler de chimie, des gens qui vont parler de physique, de spatial, d'histoire, de littérature, donc il y en a un peu pour tous les goûts. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, et puis vous aurez un channel dédié pour chaque streamer ou streameuse, et vous aurez les infos qui vont être liées directement dedans. Et il y a de la qualité. Voilà. Il y a de la qualité. Super. C'est grâce à ce biais qu'on s'est rencontrés avec Samuel. Donc, tout à fait. C'est pas tout mal. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Que nous avons le plaisir de collaborer régulièrement sur Twitch. C'est chouette. On arrive au moment tant attendu du quiz. Yes. Quiz séquence 1, se nourrir. Tentative autorisée 3. Oh là, ils te mettent la pression, quoi. Résumé ouais. de continuer. C'est les mêmes pour les personnes qui ont fait les quiz sur le MOOC pollinisateur, c'est la même méthode. Même logique, hein. On va avoir 10 questions et faudra avoir les bonnes réponses pour chaque question. Ça peut être des vrais faux, ça peut être des choix multiples, ça peut être des images comme on a eu et des textes à trous. On avait aussi, je crois. Tout à fait. Donc voilà, il va falloir trouver toutes les bonnes réponses à chaque fois pour avoir tous les points. Donc installez-vous confortablement à côté de votre clavier puisque vous allez être mise à contribution pour participer à ce moment d'anthologie et d'intelligence collective. Nous comptons sur vous. Voilà. Vas-y, tu veux commencer ou je commence ? Comment tu... Comme tu veux, je peux commencer. Ok, alors vas-y, à toi l'honneur de la première question. Première question qui commence avec une seule réponse possible, puisqu'on a un vrai faux. Alors, première question. Nous consommons tous les organes des plantes sauf les tiges. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, la règle, c'est on triche pas. On regarde pas les réponses des Vous essayez de répondre sans copains, lire tout le chat avant, copines. Effectivement. On répond et après, on regarde si ça correspond à ce que les autres ont mis. Donc on commence par une question assez simple, effectivement, histoire de rentrer tranquillement dans le quiz. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas qu'on se fasse un claquage d'entrée, du coup, ils nous chauffent, voilà, ils nous chauffent tranquillement, quoi. C'est l'échauffement, là. C'est... Alors... Bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, hein, tout le monde dit faux. Quelques petites réponses. On a Zen, Auré, Alex, Petite Sarcelle, oui, tout le monde a... Axel, Gigilou, Syl et Annick qui penchent pour faux. Bon, et ben alors, je mets faux. On va essayer de faire le plus possible, sauf si vraiment on voit que vous vous trompez complètement. On va essayer de suivre votre avis. Donc attention à ce que vous dites. Tout à fait. On vous fait confiance. C'est vous qui avez littéralement le contrôle de ma main. Vous avez le badge de Samuel entre vos mains. Exactement. Ma réputation auprès de Tella Botanica rebosse complètement sur vous. Donc s'il vous plaît, ne me discréditez pas. Quels sont les avantages du maïs domestiqué par rapport au maïs sauvage? Il y a 3 réponses pour obtenir un point à cette question. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous disiez du coup quel est le faux. Ça te va Mais quelle est la mauvaise réponse? Je suis d'accord, c'est plus simple. Et on va donner des lettres aux réponses. Donc, si vous pensez que
les grains sont plus gros. Dans ce cas-là, c'est la réponse A qui est fausse. Enfin, non, en fait, si vous pensez que c'est celle-là qui est fausse, voilà. Les grains sont plus gros. Les grains sont plus nutritifs. Vrai ou faux ? Les grains sont enveloppés. Donc, ça, c'est la réponse B. Hein, les grains sont plus nutritifs. La réponse C. Les grains sont enveloppés d'une enveloppe rigide. Et enfin, la réponse D. Les grains ne se détachent pas à maturité. Alors, laquelle est fausse ? Les grains sont plus gros. Les grains sont plus nutritifs, les grains sont enveloppés d'une enveloppe rigide où les grains ne se détachent pas à maturité. Bah, donc, d'un coup, ils sont passés tout de suite à flac, level up, quoi. Dès la deuxième question, on est sur du... Donc, il faut enlever celle qui vous semble fausse. Ouais. Hein. Laquelle vous semble fausse ? A, B, C ou D ? On ne regarde pas les réponses. Les avantages. Donc, du coup, là, ça serait que la chose qui n'est pas un avantage... Du maïs domestiqué par rapport au maïs sauvage. Au maïs sauvage. Alors moi, c'est pas dans le même ordre, il faut que je regarde le retour, du coup. Alors, ce serait laquelle ? Il y a pas mal de gens qui disaient, j'ai l'impression. Alex a pas compris, là. Alors... Ouais, il n'y a eu que des C, hein, je pense que... Pour l'instant, tout le monde n'a pas encore voté. Joker, il y a des gens qui ne savent pas peut-être, hein, c'est Joker. Possible. Là, c'est vrai que c'est passé direct à un niveau un peu plus... Ouais, on est passé de sur-débutant à déjà... Fallait suivre, il fallait bien suivre. Zen pose un Joker aussi. Bon, et ben, du coup, on va suivre réponse C. Les grains sont enveloppés. Faut que tu coches les trois bonnes, toi. Hein. Tu ne fais pas comme moi la dernière fois. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai coché les trois autres. Tu ne coches pas, juste les grains sont envelés dans le prix. On est d'accord. Alors je vérifie la question quand même. C'est un avantage du maïs domestique par rapport au maïs sauvage. Ok. Je suis d'accord. J'ai vérifié parce que c'est pas dans le même ordre chez moi. Il y en a qui ont commencé déjà à voter pour la question suivante, la question 3. Vas-y, Oham. Comment appelle-t-on les inflorescences des apiacées ? Donc je vais lire ton retour parce que c'est pas dans le mordre. A, les bractées. B, les ombrelles. Les bractéoles. Les ombelles. Involucres. Voilà, je vais y arriver. Donc, excusez-moi. Hein. Donc B, les ombelles. C, les bractéoles. D, les involucres. Désolé, je t'ai interrompu. Donc, allez-y. Les inflorescences des apiacées. Faites vos jeux. Lancez-vous, c'est de la botanique. On est sur de la botanique pure, là. Ouais. Et on a Disten, salut à toi, qui vient voter aussi. Je ne donne pas pour l'instant ce que vous avez voté, comme ça permet à celles et ceux qui n'ont pas regardé et qui veulent voter de pouvoir le faire sans être influencés. Comment appelle-t-on les inflorescences des apiacées ? Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votes avec uniquement ombelles. Les B, les ombelles. Donc, je coche les ombelles. Parfait. Quels sont les intérêts et usages des apiacées ? Veuillez choisir une réponse. Mmh. Alors, si vous pensez que A... Hey, salut à toi, Chuchu Dachu, super pseudo, j'adore. Bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne. Tu arrives sur le quiz. Sur cette chaîne, tu arrives pour le moment du quiz. N'hésite pas à participer dans le chat. Quels sont les intérêts et usages des apiacées ? Si vous pensez que c'est A, intérêts et usages médicinaux et environnementaux, vous mettez A. Si vous pensez que c'est les intérêts et usages alimentaires et condimentaire, vous mettez B. Si ce sont des intérêts et usages alimentaires, condimentaires, médicinaux et environnementaux, vous mettez C. Et si vous pensez que ce sont des intérêts et usages médicinaux, vous choisissez la réponse D. Donc en gros, est-ce que ce sont que certains usages, plusieurs usages ensemble ou tous ces usages ensemble en gros. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, nous avons un chat de compète. Et de gens qui sont c'est cool. Très harmonisés. Hein. Pour l'instant, il y a clairement
Vous avez bien suivi. C'est ça. L'impression. On verra au résultat après, mais en tout cas, alors vous vous trompez tous pareil. Je ne sais pas, peut-être. Ça non, m'étonnerait quand même. C'est quand même peu probable. Hein. En général, quand on s'est foiré sur le MOOC pollinisateur, c'est quand on était divisé. Oui, déjà c'est de oui. base. Donc vous pensez que ce sont des intérêts et usages alimentaires, condimentaires, médicinaux et environnementaux. Je me souviens que c'était cet homme assez énergique. La dernière énergique. Personne ouais, ouais. dynamique, avec le cadrage qui était penché. Je ne l'ai pas dit, mais ça me... ça... J'avoue que c'était pas fou. Exactement. Ou que vous cherchez la petite bête. Bah, ça marchait des fois dans les deux sens, hein, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Oui, ça, dans des deux quiz, il y a un quiz où vous nous avez sauvé, l'autre, on a changé de notre côté. Exactement. Question numéro 5. Ouais. Quels sont les critères de détermination pour identifier à coup sûr la carotte sauvage d'autres apiacés ? Donc, il faut cocher 4 réponses possibles, sachant qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, donc là, il va falloir. On va peut-être dire les 4 du coup, là, les 4 bonnes, peut-être plus simple. Donc, soit elle a des fruits, donc on parle de la carotte sauvage par rapport aux autres apiacés. Attends, il faut que tu regardes sur mon écran. Ah oui, excusez-moi. Soit elle a 10 pétales, réponse soit A. Elle a des feuilles simples. Réponse B. Soit elle a des feuilles très découpées. Réponse C. Soit elle a des fruits couverts d'aiguillons. Réponse D. Des inflorescences en ombelles. Réponse E. Des fleurs jaunes. Réponse F. Ou des bractées divisées. Donc, dans toutes ces possibilités, il y en a 4. Réponse G. Qui sont possibles. J'ai dit deux fois possible, mais vous avez l'idée. Alors, allez-y, vous votez pour 4. Pour chaque coup sûr, carottes sauvages des autres apiacées. Alors. On voit plusieurs choses. Ok. On attend un petit peu. Hein. Je relis, moi, de mon côté. C'est pas le même ordre, en plus, donc ça me perdure un peu. Parce que moi, je le fais aussi de mon côté, le quiz. Hein. Il en manque une. Ah oui, Gigilou, il est deg, il lui en manque une. N'est pas sûr. J'essaie de le faire dans mon coin, moi. Sans vous regarder. Voir si on tombe sur les mêmes trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a qui ressort ? Alors, qui a voté ? J'ai l'impression que... Tout le monde n'a pas voté, là. Il y en a qui veulent pas se... Ah, tu veux revoir la question, oui. Ah oui, tu n'as pas la question, effectivement. Ouais. On va remettre la question. Je peux la reposer aussi. Hein. Quels sont les critères de détermination pour identifier à coup sûr la carotte sauvage d'autres apiacés ? Et en dessous, vous avez le choix entre 7 propositions. Donc mettez, comme certains l'ont fait, hein, directement des lettres. Lettres qui correspondent. Comme petite sarcelle, vous pouvez tout à fait faire le quiz de votre côté si vous êtes inscrit. Effectivement, oui. N'hésitez pas à le faire. Sachez que ça sera dans un ordre différent. Voilà, l'ordre est différent parce que je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est pour éviter qu'on triche les uns sur les autres. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, sachez que peut-être des formations, des élèves comme ça qui l'utilisent en classe. Je ne sais pas. Hein. C'est peut-être possible. Il y a Auré qui dit « Moi, je le fais après pour réviser. » Et il y a Chloé Jardin Mandala qui nous dit « J'ai raté la question !» Alors, quels sont les critères de détermination pour identifier à coup sûr la carotte sauvage d'autres apiacés ? Il y a 4 réponses possibles, Chloé. Entre 10 pétales, réponse A, feuille simple, réponse B, feuille très découpée, réponse C, fruit couvert d'aiguillons, réponse D, inflorescence en ombelle, réponse E, fleur jaune, réponse F, ou bractée divisée, réponse G. Donc, n'hésite pas à faire ton petit topo avec les lettres qui te semblent justes. Il y a 4 lettres. Qui peut juste. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est déjà passé, mais que les apiacés sont en ombelle. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait ces 4 critères, justement, ensemble, pour que tu puisses différencier la carotte sauvage des autres. Ben, je suis pas sûr de ça, mais...
Parce que là, c'est vraiment pour identifier la carotte d'autres. Ah oui, à coup sûr, ils ont mis. Ouais. Bah ouais, je sais pas. Des fois, les questions sont pas forcément super bien précises, on va dire. Ok. Donc on avait vu. Je regardais. Je pense qu'il y a quand même une dominance effectivement de plusieurs réponses là. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde un petit peu. Moi, j'ai l'impression que c'est. Je suis d'accord avec Natou et Zen qui disent ça peut pas être eux parce que eux ça serait. Enfin, on peut pas utiliser l'inflorescence en ombelle pour essayer d'identifier la carotte sauvage parmi d'autres apiacées puisque a priori elles ont toutes des inflorescences en ombelle. Ok. Pour une idée, pour une identification, c'est de toute façon plusieurs critères à la fois souvent. Il en faut quatre, les autres ne collent pas. Oui, d'accord. Donc en fait, je pense que déduction, le E est dedans, quoi. C'est pour ça que je disais ça. Ouais, ok, je comprends. Donc on a, selon vos réponses, on a des feuilles très découpées, des fruits couverts d'aiguillons. Réponse D. Des inflorescences en ombelles et des bractées divisées. Réponse G. Effectivement, les autres. Possibilités paraissent hors propos. Chloé, elle dit, moi, ouais, j'ai d'autres critères, feuilles très découpées, poilues, odeur de carotte. Ouais, ils n'ont pas mis ça. Il y a Natou Nuari qui précise effectivement qu'on travaille avec une clé. La présence d'ombelles permet de diriger directement sur le groupe apiacé. Donc en fait, effectivement, ça peut déjà vous diriger sur les apiacés, puis après, avec les autres critères, vous arrivez vers la carotte sauvage, en fait. C'est le premier critère, je pense. Et c'est quand même très étonnant qu'ils aient pas reparlé de l'odeur alors qu'ils en parlent dans la vidéo. Et pareil, des poils, c'est très étonnant, quoi. Bref. Bah, oui. Ça n'a pas été construit. Bon, bref. Je pense que ils ont utilisé les critères d'identification botanique. Et l'odeur, ouais. Je pense qu'elle n'est pas dedans, par exemple, tu vois. C'est ça. Ils ont fait de la botta pure, quoi. Ok, bon, et okay. Question 6. Truc à choix multiple. Retrouvez les noms des différentes parties de la fleur d'un épillet du genre Poa, famille des Poacées. Retrouvez les 5 noms pour obtenir un point à cette question. Donc vous voyez, on a un schéma de fleurs ouvertes. Ok, et Oham va nous mettre dans le chat. Oui. Les 5, si t'es ok, hein, évidemment. Ouais, ouais. Mais justement, Béatrice, c'est justement ce qui permet de distinguer la carotte des autres. C'était ça la question en fait. C'était comment distinguer la carotte d'autres apiacées. Et du coup, l'odeur, c'est quand même un. Ouais, la question est bizarre, je suis d'accord. Ouais, bon, bref. Pour moi, en tout cas, ça aurait eu du sens de mettre l'odeur et la présence de poils dans les critères d'identification d'une carotte. Surtout que là, on est dans un cours de botanique, certes, mais le but, c'est de faire de la botanique vraiment appliquée. Et clairement, l'odeur et la présence de poils, c'est des choses qui sont très simples pour la plupart des gens qui découvrent la botanique et qui veulent essayer d'identifier une carotte sauvage. Bon. Je suis un peu dubitatif sur cette question, mais c'est pas grave. Alors, avant que tu continues, je vais mettre un message dans le chat. Soit tu l'épingles, soit le modérateur ou modératrice peut l'épingler. Bien sûr. Ça va être les différentes possibilités que vous allez pouvoir remettre pour remplir les numéros que vous voyez sur le schéma. Bah ouais, c'est ça. Hop, je viens de le mettre. Donc, nous avons les stigmates, la glumelle supérieure ou paléole, l'étamine, l'ovaire, on dit le ou la glumelle inférieure, ou l'aime. Je ne sais plus si c'est masculin ou féminin, glumelle. Je crois que c'est un glume. Du coup, là, ils mettent glumelle. C'est vrai que c'est pour ça. Je ne sais pas si c'est un ou une glumelle. Si vous savez, si notamment, je pense à toi, Chloé, peut-être tu sais ça, si on dit un ou une glumelle, je suis intéressé. Nous sommes intéressés. La lème et la glumelle. La glume. Merci, petite Sarcelle. C'est très gentil de nous aider à ne pas paraître trop ignorant. Oui. Du coup, n'hésite pas à épingler mon message avant qu'il remonte trop. Ah oui, je vais épingler. Hop, épinglons. Donc, vous avez le schéma. Il faut remettre les numéros. Remettre le numéro pour repositionner les différentes parties de cette fleur ouverte de Poacée.
vous laisse un peu de temps, enfin, ça prend un petit peu de temps, effectivement. Oui, il y en a, c'est un peu plus simple que d'autres. Hein. J'avoue. Des termes un petit peu génériques sur toutes les fleurs, et d'autres, c'est plus spécifique, effectivement, pour Poacées. On regarde pas les réponses des autres. On fait son choix. Il y avait un schéma qu'on a vu dans le cours et qui a après été remis dans les ressources supplémentaires qui revenaient là-dessus. Annick, il faut mettre... Il faut mieux que tu écrives... À côté de chaque numéro, donc tu mets 1 et tu mets le nom pour toi de cette partie de la fleur. Et après 2 et le nom d'une autre partie, 3, 4, 5. En fait, voilà, en gros... Ça va être plus simple pour nous, ouais. En gros, il faut que tu nous... Je vois que sur... Il y a des réponses où les gens ne sont pas d'accord, déjà. Je oui, vois oui. ça. Bah, il y a plein de choses différentes, là. Je pense qu'il y en a deux où ça va être assez simple. Enfin, ça, en tout cas, ça a l'air de bien ressortir. Ouais. Trois. Pour la 5. Il y en a trois où c'est assez simple. Attends, c'est laquelle qui ressort? La 5 deux, et la 4. 2, 3 et 5. Et la 3. 2, 3 et 5. Ouais, 2, 3 et 5. Ils sortent assez bien. On peut peut-être déjà mettre celle-là. Attends. Je laisse tout le monde voter. Ouais. Bon, moi, je remplis de mon côté en attendant. Votez. 1 et 4, tu as mis la même chose à cils. Ah oui, tu as mis deux fois glumelle inférieure. Cils. Donc il doit y en avoir une des deux qui est du coup la supérieure. Il faut choisir. Prenez votre temps, enfin réfléchissez bien. Effectivement. Il y a certains termes qu'on ne voit pas chez les autres, forcément chez les schémas généraux, on va dire, des fleurs. Donc, c'est particulier. Pas en, plus, très en plus, les Poacées, comme ils l'ont dit dans la vidéo, c'est vraiment une famille où justement les fleurs sont entre guillemets insignifiantes. C'est-à-dire qu'elles sont. C'est vraiment des plantes qui n'ont pas développé vraiment l'organe fleur protubérant, visible, attirant, ouais. etc. Et donc on a en général, on passe à côté de ces fleurs sans même voir qu'elles sont, ces plantes sont en fleurs en général. Et du coup on les connaît très mal quoi. C'est pas. Ouais. C'est ça. 2 et 5, ouais. Des classiques. Classique 2 et 5. Il y a potentiellement un piège, hein. C'est pour ça que... Cette fleur est un piège. Je pense qu'il y a pas mal de réponses. Peut-être qu'on peut regarder Attention. Déjà. On parle donc, pas de... Qu'est-ce qui on parle paraissait pas de à peu près... Mais... À peu près constant. On avait donc, on a dit, pour le l'ovaire, l'étamine et les stigmates, ça avait l'air d'être à peu près constant chez beaucoup de personnes. Ouais. Je pense qu'on peut déjà mettre cela. Moi, ça me paraît à peu près correct aussi hein, pour cela. Donc, lesquels du coup Donc, on a l'étamine pour la 5. Ouais, il y a même Chloé qui précise que c'est que ce sont en fait les... que c'est l'anthère oui. qui est désigné. Après, oui, ils ont zoomé effectivement dessus. Mais... Voilà. Et du coup, effectivement... C'est tout l'organe qui représente l'étamine. Et là, ils ont mis une flèche juste ouais, sur une partie. Tout à fait. Et l'autre, tu penses que tout le monde est d'accord? Donc c'est on quoi? On avait l'ovaire qui paraissait être le numéro 3 chez quasiment tout le monde, je crois. En 3, donc on peut le mettre aussi. Tout le monde est d'accord pour dire ovaire en 3. Et le stigmate en numéro 2, je crois, qui apparaît chez quasiment tout le monde aussi. Et ouais. Donc c'était effectivement pour les deux glumelles. Ça paraît un peu plus complexe. Là, on a... alors déjà, deux stigmates, tout le monde n'avait pas. Il y a eu quelques inversions avec étamine, notamment. Ensuite, on a la question de la lème,
qui donc est de la glumelle inférieure, ou la paléole, qui donc est la glumelle supérieure. Donc, observez bien le schéma. C'est un... j'ai envie de vous donner un indice, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont la bonne réponse. Il y en a potentiellement non. Observez bien comment sont insérées les glumelles. Effectivement, visuellement, ça peut donner une impression, mais c'est peut-être pas la bonne. Alors, petit Sarcelle, pour le coup, les glumelles, c'est assez important. Beaucoup de critères très vite dessus. Tu veux dire dans les clés de détermination. L'aime à rester ou pas, etc. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, ouais, effectivement, c'est des critères sur lesquels on va assez vite quand on fait de la détermination. Ouais, dans la clé des Poacées, bah oui. Je regarde quand même quel était ce qui ressortait le plus dans les réponses. Kaoré qui dit 1 va sur la 4, donc la glumelle supérieure pour la 1 et inférieure pour la 4, non, point d'interrogation. Il y a pas mal de monde quand même hein, qui a plutôt voté dans ce sens. Il y a les deux, c'est quasiment équivalent, j'ai l'impression. Ah ouais hein. Moi, je vois quand même plus de gens avec... Au début, il y a plus d'inférieurs, après, il y a plus de supérieurs. Ah, oui, c'est ça, ouais. Voilà. C'est ça, je remonte le chat, en fait. Ok. Bon. La grande, c'est le lem. La petite, c'est la paléole, nous dit Natou. Ça peut être un indice aussi. Et alors, est-ce qu'on fait un sondage ou est-ce qu'on... Oui, ah, tiens, bonne... Oui, c'est bien, merci Zen. Quels sont vos arguments? Sortez vos arguments. Lâche ton argument. Il y a des critères qui se voient directement Vas-y, schéma. J'essaie de trouver la fonction sondage. Tu fais... je pourrais pas le faire, mais je te mets le... La méthode. Ah, je peux même pas le taper dans Paul. Le chat. Mince. Ah ouais. C'est slash pool. Bah voilà. Faut mettre un slash devant. Bah voilà. Trop bien. Question. Tu peux mettre... 1. 2 points. Ah, c'est un peu difficile à poser la question par contre. L'aime ou... Ah oui, tu peux mettre comme ça, ouais. Alors, attends. Merci d'être passé, pas de batte. Repose-toi bien. Yes. J'espère à la semaine prochaine. On parlera de les plantes, l'utilité pour se soigner des plantes. La semaine prochaine. Petite Sarcelle qui nous dit, comme disait Oamgi, l'insertion la plus importante selon les espèces, la lème inférieure peut être très petite, plus grande et aristée. Qu'est-ce que tu veux dire par aristée? Tu peux préciser peut-être du coup, Petite Sarcelle, il y a des gens qui ne connaissent pas forcément le terme. L'implantation du 1 sur la tige est en dessous, donc inférieure, et l'implantation de la 4 nous dit distène. Je laisse Samuel essayer de faire son sondage. J'essaye. Il faut mettre qu'une minute, hein, parce qu'on peut mettre plus, mais... Alors, la question, du coup, va centrer sur la 1. Une minute, je mets... Attention, ça va être très rapide. Hein. Paf! C'est le minimum. Donc pour la 1, est-ce qu'on est sur la lème, donc la glumelle inférieure, ou la paléole, la glumelle supérieure? Salut Chloé, bonne nuit à toi. Oui. À bientôt, ouais, n'hésite pas à repasser le mercredi soir. On arrive sur la fin du quiz de toute façon là. N'hésitez pas à voter directement. Vous avez un petit sondage en haut du chat. Vous pouvez voter. Ah, il ne reste plus que 20 secondes pour voter. Ah, ça y est, ça vote tranquillement. Les gens y vont là. Je vois que ça monte. N'hésitez pas. Bon, je pense que il y a l'air d'avoir une légère majorité qui se dessine. Quand même, hein. Effectivement. Il y a eu des arguments dans le chat qui ont permis d'aider les gens, je pense. Donc, c'est pour ça dit n'hésitez pas à donner vos critères, ça permet aussi d'aider les autres dans leurs réponses. Et tada, 100% de vote pour la glumelle inférieure. Qui serait la numéro 1. Qui serait du coup la numéro 1. Eh bien, on va savoir ça. Du coup, je mets en 4 la glumelle supérieure. 4.
Et donc, effectivement, moi, je redonne les critères qui ont été donnés. On voit qu'elle s'insère en dessous de l'autre. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'oublumelle inférieure. C'est vrai que visuellement, quand on regarde, on fait pas trop gaffe, on a l'impression qu'elle est au-dessus. Mais il faut bien regarder là où ça s'insère. Ah, sur téléphone, quand un message est épinglé, on voit pas le sondage. Ah mince. Ah. Désolé. Tu peux, normalement, tu peux choisir, il me semble. Je pouvais désépingler le message de... Oui, sinon tu peux désépingler, ouais. Bon, voilà. On le saura pour la prochaine fois. Merci en tout cas pour le tuyau. Il nous reste 4 questions. Je dis ça à moi, je crois. Je à sais toi, plus. Ouais, vas-y. Le maïs que nous consommons est une espèce végétale monoïque. Que veut dire ce terme ? Il faut choisir une seule bonne réponse parmi les trois. Donc une espèce monoïque est une espèce végétale dont les individus possèdent uniquement des fleurs femelles ou uniquement des fleurs mâles sur un même pied. Réponse A. C'est une réponse A, oui. Réponse B. C'est une espèce végétale dont les individus portent des fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent simultanément des organes femelles et mâles. Et réponse C. Une espèce végétale dont les individus possèdent simultanément des fleurs uniquement femelles et des fleurs uniquement mâles sur un même pied. Ok, zut, on a inversé. Ah oui, j'ai inversé. Par rapport à ce qui est écrit à votre écran. Lisez sur mon truc. Donc sur l'écran, c'est vous votez B pour les espèces végétales. Regardez votre écran. Possèdent simultanément des fleurs uniquement femelles et des fleurs mâles uniquement mâles. Et réponse C pour les fleurs hermaphrodites. J'ai lu sur ma page. Excusez-moi. Une Gilou espèce magnifique, là. Qui ne donne qu'un OK. Merci, Gigilou, pour ce monoïque. Ah, pas mal, en vrai. Il fallait le trouver. J'ai pas encore le truc comme sur ta chaîne, là, où on peut faire... Ouais, pas mal. Donc, vous, votre réponse B, c'était quoi ? Une espèce végétale dont les individus possèdent simultanément des fleurs uniquement femelles et des fleurs uniquement mâles sur un même pied. OK. Attends, mais j'ai l'impression qu'il y a deux fois le même. Attends, je vais relire les espèces végétales. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, ça va, c'est à peu près bien expliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a que du B hein, dans la réponse. Ok, alors va pour B. Donc, ce qui serait. Le pied a les fleurs mâles et des fleurs femelles, c'est ça hein, le B. Mais qui sont des fleurs qui sont sur un même pied. Ouais, c'est ça, qui sont uniquement femelles ou F uniquement mâles. Une séparation, c'est pas sur la même fleur quoi. Ouais. On a de nouveau un petit schéma avec des noms à donner. Cette fois-ci, nous sommes sur la fleur zygomorphe des Fabacées. Alors, pareil, je vais écrire dans le chat. Sous famille des Faboidées. Trouver les trois noms pour obtenir un point à cette question. J'écris dans le chat les trois possibilités. Ouais, Auré, c'est ça. A dioïque, B monoïque et C hermaphrodite. Oui, il est plus technique que le MOOC pollinisateur, hein, le quiz, on est d'accord. J'avoue. Merci. Oham, je peux du coup... épingler ce message. Elle, Karen, étendard, vous avez... Tu descends un peu le schéma par contre, ouais. Ouais, parfait. C'est bon. Donc 1, qu'est-ce que vous mettez ? 2, qu'est-ce que vous mettez ? 3, qu'est-ce que vous mettez ? On regarde pas le vote. Je vais le faire dans mon coin, hop. De Syl, de Disten, d'Axel, d'Alex. Qui ont déjà fait leur choix. Auré aussi a fait son choix. Rien ne va plus. Allez-y. Lancez-vous. Zen s'est lancé. En vrai, là, je trouve que les noms sont bien choisis. Par rapport à l'anatomie de la plante. C'est vrai. Bon, pour l'instant, tout le monde a voté la même chose, donc... je crois qu'il n'y aura pas de grand doute autour de cette question. On a un étendard, deux L et trois Karen. C'est assez unanime, oui, effectivement.
Non, mais c'est bien, ça veut dire que vous avez bien retenu les critères, donc c'est cool. Nous sommes en route pour le Liban, les amis. Ah, texte à trous, ça y est. Et c'est toi, c'est toi ouais, qui t'y colle. On a trois choix à chaque fois. Ouais. Oh, la vache. Vous avez le c'est choix. C'est pas les mêmes textes à trous, nous. C'était, c'était les différents trucs qui étaient mélangés. Là, on a des choix différents pour chaque. Ouais. Bon, on va faire au fur et à mesure. Au je pense que c'est plus ouais. simple. Mmh. Donc, nous sommes partis au Liban. Attendez, je remonte. De toute façon, c'est avec les mêmes choix. Ils ne sont pas forcément dans le même ordre. Mais... au Liban, plusieurs espèces de blé, d'orge, d'avoine, de la famille des Poacées, des Apiacées ou des Lamiacées sont cultivées et utilisées dans la cuisine libanaise. Donc, ces différentes espèces, blé, orge, avoine, sont de quelle famille ? Est-ce qu'ils sont A, des c'est pas dans le même ordre, des Poacées, B, des Apiacées ou C, des Lamiacées ? Alors, on a quelques votes. S'il a déjà voté pour tout le texte, mais sinon, on est unanime pour dire que ce sont Poacées. Les plantes de la famille des Poacées. Hop. Sous forme de farine pour la confection de pain pita ou sous forme de céréales concassées. Ces soupes de blé sont souvent accompagnées de légumineuses comme lait. Alors toi, tu as quoi dans ton ordre ? Je ne sais pas. Moi, j'ai lentilles, pommes de terre ou carottes. Il faut peut-être que ce soit toi qui lise du coup, c'est plus simple. Ouais, si tu parce veux. Que moi, c'est pas le même ordre à chaque fois. Ouais, si tu veux, on va faire ça. Alors, vous pensez que ces sous-produits du blé sont accompagnés de légumineuses comme les lentilles, les pommes de terre ou les carottes, qui est de la famille des légumineuses, aussi appelées les fabacées. Tout le monde est d'accord. Bon, là, c'est pas non plus lentilles. C'est pas ultra technique, hein. Non. Les lentilles ou les pois chiches, tous les deux de la famille des... Petite sarcelle qui troll pendant ce temps. Ah mince, j'ai donné la réponse sans le savoir qu'il y avait la question après. Ah bah oui. Et vous n'avez pas entendu ? Vous n'avez pas écouté à ce moment-là ? Ouais, j'écoutais pas. J'étais aux fraises avec Petite sarcelle. Oh là là. Bah oui, du coup, Fabacé, tout le monde est voté. Et accommodé d'épices comme les... Alors, nous avons le droit au B de Somme. Pas mal. Elle est belle celle-là. Franchement, c'est la meilleure, je pense. Meilleure. Vous avez le droit au B de Somme, au B de Sumac, au B de Genièvre ou au B de Timour. Alors, si vous mettez la B de Somme pour accompagner votre plat, c'est un gros plat. Hein. c'est pas mal. Hein. Vous emmenez toute la Picardie avec vous. Donc, nous avons... Ouais, ça troll à fond, là. Tout le monde est d'accord pour dire que ce sont les baies de sumac, qui est une plante de la famille des Anacardiacées. Bon, bah on va tester ça. Hein. Tenter ça. Je te laisse remplir. C'est bon, t'as rempli aussi. Ouais. Ah. Alors, on a de nouveau des photos. Oh, j'ai faim, rien qu'en lisant le truc. Parle de pizza. Ah, c'est leur petite pizza là qui faisait. Ouais. Ça avait l'air pas mal. Hein. Je connaissais pas ça, tiens d'ailleurs. Non, moi non plus. Comme tu veux, tu lis ou je lis. Trouver les trois noms pour. Non, pardon. Les manouchés. Je sais pas si elle a prononcé comme ça ou pas. Sont des pizzas traditionnelles. En voici les ingrédients. Saurez-vous associer la photo à l'espèce qui correspond ? Donc, on a trois plantes à nommer. On a les baies de sumac, Rus coriaria. C'est pas simple. L'origan zaatar, Origanum syriacum, et le sésame, Sesamum indicum. Donc, lequel est la baie de sumac ? Lequel est... J'ai plus de réponse, du coup je vérifie de mon côté. Lequel est l'origan et lequel est le sésame ? Donc vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Enfin, pas dans l'ordre que vous voulez, vous mettez 1, 2, 3 et vous mettez. Ah ouais, ça donne trop envie de faire la fête. J'avoue. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Si, en fait, tout le monde est d'accord.
Donc, on a origan, sumac, sésame dans l'ordre là. C'est juste qu'il y a des gens pour qui c'était. Voilà, ils ont voté. Bah, le premier, on est un peu plus familier, hein. On l'a un peu plus chez nous. Ouais. Le 2, il en existe un autre qu'on a un peu en France, celui de Virginie. Mais alors le 3, moi, je l'ai jamais vu. Bah oui, c'est vrai que je sais pas quoi ressemble la pente. On voit les grains très bien, effectivement. Du coup, si on pouvait foutre. Ok, donc tout le monde est d'accord pour dire 1. Vous avez voté pour origan, za'atar. 2, vous avez voté pour le sumac. Et enfin 3, vous avez voté pour le sésame. Ah, j'ai fait par élimination aussi, moi, Toi petite aussi? sorcelle. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous en êtes suffisamment en confiance pour qu'on lance le petit test pour savoir si nous avons réussi à remporter ce quiz? Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Carrément, carrément, Alex. Et ben, Moi, je hop. pense qu'on a été hyper efficace et qu'on a 10 sur 10. Ouais, je pense On y aussi, croit. hein. Ouais, je pense aussi. Ouais, l'intelligence Allez. collective, là, je pense Allez, qu'on a 10 sur on va 10. savoir. Là, je fais en même temps, attends, attends. Tadadam! Hop, bah, j'ai cliqué. T'as cliqué? Ouais. Tadam! Note 10 sur 10. 10 sur Bravo! 10, c'est beau. C'est beau, bravo, bravo Félicitations. tout le monde. On a géré, Félicitations. ça fait Voilà, plaisir. voilà une belle entrée en matière pour ce MOOC. Voilà, il y a des gens qui se lâchent sur les émoticônes dans le chat. C'est ça qui est bon. Super, Bien joué. bien vu, bien vu, bien vu. C'était une très bonne première partie. Le chat était le chat, le quiz était à la fois un peu plus technique que sur le MOOC pollinisateur, mais il y avait quand même pas mal de questions où, en fait, voilà, une fois qu'on procède un peu par élimination, etc., on s'en sortait quand même Mais assez. ouais, c'est ça revenait bien sur ce qu'on a vu dans le cours, les schémas et tout là. Pas mal, hein. J'ai bien aimé, moi. Voilà. Bravo, une espèce monoïque est bien une espèce végétale dont les individus possèdent simultanément des fleurs femelles et des fleurs mâles sur le même pied. Donc voilà pour les Yes. petits commentaires. La famille des Bonne poissets soirée, Alex. Bon rassemble appétit. en effet. Oui, salut, salut. Eh Effectivement, ben, tu as bon peut-être appétit à faim. toi. Ouais. Carottes et pommes de terre appartiennent respectivement à la famille des apiacées et des solanacées. Il s'agit bien sûr des baies de sumac, la baie de Somme étant plutôt une destination de vacances. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une destination de vacances. J'aime bien la Peut-être précision. pour des passionnés de nature, ça c'est sûr. En tout cas, moi je suis originaire d'à côté de ce territoire et je le recommande si vous ne connaissez pas la baie de Somme. Et oui, pour les. Il y a un parc ornithologique qui est Tout incroyable. à Je vous fait, ouais, recommande le tout parc de à fait. Marcanterre. Vraiment très classe. Alors, ouais, vous avez observé, peut-être comme Béatrice, que j'ai mis 7 jours et 3 heures à réaliser cette séquence 1, tout simplement, C'est parce que tu l'avais ouvert. voilà. Tout ça parce que, tout simplement parce que, en fait, j'ai, voilà, le MOOC, enfin, la première séquence a été publiée il y a une semaine, exactement, mercredi, il y a une semaine, et que à ce moment-là, j'ai commencé à le regarder, juste simplement pour voir un peu à quoi ça ressemblait et pour pouvoir préparer l'émission de ce soir. Et Donc, puis on c'est a pour fait des ça. tests techniques avant aussi, C'est ça. effectivement. Lol, on sent Mais les nordistes. voilà. Donc il y a une petite pour conclure. Je sais pas ce que ça donne. J'ai pas été voir. C'est le seul truc que j'ai pas regardé d'ailleurs. Alors, vous avez terminé la séquence 1, se Ah oui, nourrir, d'accord. bravo! La prochaine séquence portera sur Ils l'usage se soigner. Voici les experts qui vous annoncent. accompagneront. Ah, Marc-André Cellos, dis Et on donc. va retrouver the GOAT, Marc-André Costarman. Cellos, Costarman. Michel Bottineau et Thierry Thévenin. Ah, ça me dit quelque chose, Thierry Thévenin. Oui, tout à fait, Thierry Thévenin. Mais ouais, ça va être très cool aussi, je pense. Donc n'hésitez pas à venir la semaine prochaine. On va apprendre pas mal de choses encore.
ça sera centré sur la santé, comment se soigner. Bon, je pense qu'ils vont évidemment mettre des gros guillemets, hein, parce que faire très attention hein, à ça. Yes. Moi, j'ai regardé un petit peu, il y a notamment des pharmaciens, je crois, qui interviennent aussi pour préciser un petit peu les choses. Donc, ouais. Trop bien, merci. Merci à tout le monde pour votre participation active et joyeuse dans cette soirée. Ouais. C'était vraiment chouette. Moi, j'ai passé un bon moment. Merci à toi, Wam, pour. C'était cool. Pour ce... Merci, merci. Bah ouais, très content de vous avoir vu si nombreux et puis impliqués. Ça fait très, très plaisir. C'est ça. J'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas, évidemment. Je crois que c'était Zen ou je ne sais plus si c'était lui, mais qui disait que il refaisait le quiz après de son côté. Bah, ça peut être pas mal de le refaire un petit peu après, justement, pour voir si on a bien retenu les choses. Je trouve que c'est une bonne idée. C'était horrible de ouais. faire ça. N'hésitez pas. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as l'actualité sur Twitch d'ici la semaine prochaine, toi, Samuel ? Pas énorme. Je pensais faire une émission vendredi soir. Habituellement, je fais une émission le vendredi soir, mais en fait, je suis toute cette semaine et la semaine prochaine en animation de stage, plus une partie de ma famille qui est venue profiter du week-end un peu long que nous avons et qui, du coup, que je vais privilégier. C'est vrai que c'est férié demain. Voilà, un temps en famille, donc pas d'émission ce vendredi. Et merci, Syl, pour ton follow. Et profitez du temps que vous avez pour aller en nature, là, c'est un peu des jours. C'est vraiment la période, moi, que je préfère, personnellement, mois de mai. Si vous êtes allergique, effectivement, ça peut être un petit peu plus embêtant. Mais si vous le pouvez, là, vraiment... Tout à fait. Donc, très, très bien, la nature, en ce moment, là. Ouais, carrément, c'est le bon moment. On a fait, avec l'équipe là qui est venue en stage de permaculture, on a introduit des routines de connexion à la nature, notamment une routine qui s'appelle le sit spot, qui consiste à tout simplement trouver un petit coin de nature et à y passer une demi-heure par jour pour juste simplement se laisser y être suffisamment longtemps pour que la vie entre guillemets de la faune notamment puisse reprendre son cours autour de soi et qu'on dérange plus entre guillemets vraiment l'environnement, même si notre présence est toujours évidemment ressentie et vécue même quand on ne bouge plus. Ce qu'on recommande et qu'on pratique même quand on est naturaliste. Par exemple, quand moi je fais des comptages, voilà, j'en fais moins en tant que pro, hein. Je peux en faire sur en tant que bénévole. Quand on fait des comptages pour les oiseaux, il y a toujours un temps, on arrive sur place et un temps on reste, on fait rien, on essaye de se camoufler un peu, on fait rien. Le temps que la faune justement n'y ait plus de dérangement, quoi, ou le moins possible. Tout à fait. Bonne soirée à toutes les personnes Il faisait super froid, hein, le groupe, ils étaient super motivés parce qu'on a démarré ça sous la pluie, le vent, c'était les seins de glace, là, on était vraiment dans un moment où il faisait froid, y compris ici dans la Drôme. Ah bah oui. On était à 9 degrés dehors. Entre 6 et 14. Ouais, 6 et 14. Ah bah le matin, effectivement, on peut faire frais. Hein. Je confirme. Yes. Trop bien, super. Donc, rendez-vous mercredi prochain pour la suite de ce MOOC. N'hésitez pas à le partager, à le faire connaître pour qu'il y ait d'autres gens qui s'inscrivent à ce MOOC et qui le suivent, et éventuellement qui le suivent avec nous s'ils ont envie. On continue cette aventure ensemble. Bonne semaine à toi aussi, Oham. Live. Moi j'ai un live qui est très chill. C'est férié demain, donc c'est un live un peu cool. Très chill. On joue à un jeu avec Lilou qui était dans le chat. Je sais pas si elle y est encore tout à l'heure. Ah ouais, c'est tout à l'heure. Ouais. Voilà. On va jouer. On reste dans la thématique faune-flore puisqu'on va jouer des oies. Encore ? Ah oui, vous continuez le jeu avec les oies. Très drôle. J'ai fait beaucoup de plaisir à venir. C'était parce que c'est une journée un peu cool. Donc on se détend. Un peu à la cool. N'hésitez pas. Sinon, évidemment, je parle pas mal d'oiseaux et d'écologie de nature, comme j'ai dit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Chouette. On se retrouve, nous, tous les deux, mercredi, à la même heure, 19h30. Super. J'espère que vous serez encore nombreux et nombreux. Est-ce qu'il y a des gens Est-ce que tu vas aller chez quelqu'un peut-être ? Je crois qu'il y a. On peut regarder. Donc une des pratiques pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Twitch. Il y a le flow d'histoire. Il est pas souvent à cette heure-là. Une des pratiques qui se fait souvent, c'est de finir un live en allant rendre visite à quelqu'un d'autre qui est en train de streamer au même moment, voilà. Et puis du coup, c'est l'occasion de découvrir d'autres contenus.
Il y a le flow d'histoire et tout ce qu'on prend qui sont en live ensemble. Ah, okay. Chacun sur leur chaîne. Ah, ok. Et ben... parce qu'il fait une libre antenne maintenant de temps en temps le mercredi. Et ben, j'ai jamais raidé le flow de l'histoire. Ouais, attends, je sais pas si tu l'as du coup dans tes chaînes. Je peux te mettre comment ça s'écrit parce que c'est tout attaché avec des majuscules. C'est un peu. Ouais. Je te mets dans le chat pour l'orthographe. Ça, je te remercie. Je te remercie. Je vais suivre. Et donc, ouais, le flow d'histoire qui parle. Bah, porte bien son nom, qui parle plutôt de choses d'histoire. Et ça suit parfois l'actualité aussi, donc c'est très intéressant. Il invite des gens, des spécialistes aussi, des fois. Mmh. Et tout ce qu'on prend qui est généraliste un petit peu sur les sciences, plus spécialisé dans tout ce qui est domaine de la recherche spatiale, notamment tout ce qui est en lien avec les météorites, il me semble qu'il a fait des choses là-dessus. N'hésitez pas, mais il est généraliste sur Twitch, il fait plein de choses. Très très bien leur contenu à tous les deux. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Trop bien. Et ben donc on va aller rendre une petite visite au flot de l'histoire et puis on se retrouve mercredi pour la suite du MOOC Botanique 2. Allez. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Ciao, et puis on se dit à la prochaine. Bonne salut soirée. Tout le monde. Salut. Salut. Salut.